Ah bah Hagar, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle soirée. Le samedi soir, on est sur de la Radio Flavien et on est sur le Flavien Aurore Show. Avec au programme ce soir le DLC d'Outlast Whistleblower, après avoir terminé clairement le premier jeu qui était bien flippant. Ouais, on a bien crié, c'était assez chaud. Donc rendez-vous 22h pour connaître le DLC de Outlast. Est-ce que c'est aussi flippant que le jeu de base? Eh bien rendez-vous dans 2 heures. Donc ce n'est pas pour tout de suite, juste avant on va se poser. On va discuter pour la Radio Flavien, vous le savez, comme d'hab. On va parler de tout et de rien. Et si vous avez envie d'intervenir, si vous avez envie de raconter une anecdote, une histoire, un souvenir, peu importe, un truc, vous pouvez évidemment mentionner un modo et vous arriverez ici dans mes petites oreilles pour me raconter tout ça en vocal devant tout le monde. Et ben ça fait plaisir. Comment ça va tout le monde? Installez-vous sur TikTok, installez-vous Twitch et tous ceux qui regardent en replay sur la chaîne secondaire, comme d'habitude, merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, vous êtes abonnés à la chaîne secondaire Flavien Alexander Replay sur YouTube, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit follow. Et merci à vous. J'espère que ça va tout le monde. Comment ça va, Mam? Comment ça va, Dracaloria? Bonsoir, Glamrock. Ça va bien, merci. Et vous, la team TikTok, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous êtes au top du top? Merci du soutien, TikTok. Hein. Vous êtes vraiment très, très, très sympa. Merci à vous. Et comment ça va, Twitch? Émilie, Crystal, Manon, Amori, Yuga, Wanemi, Zoltal, Julie, Océane, là c'est à partir de ce moment-là où je vais commencer à dire les noms en double. Estelle, Kazu, Kivini, Ochoka, bonsoir Ochoka, installe-toi. Et voilà, après je ne sais plus. Après je ne sais plus si j'ai déjà dit les pseudos ou pas. Oui, ça va bien, bah écoutez, nickel, installez-vous tout le monde et là clairement on va se poser. On va se poser pendant 2 heures, on va discuter, il n'y a aucun sujet. Là, il n'y a pas de thème. Ça va être vous qui allez animer, clairement. J'ai pas choisi de thème, j'avais pas envie de m'arrêter à un seul sujet. Donc si jamais, on va juste se poser, on va discuter. Et on va parler de tout et de rien, de tout. Et aussi de rien. Et ça, c'est beau. Moi, je vais pas bien. Bon alors, Glamrock, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Raconte à tonton Flavien. Je peux faire le psychologue aussi, hein. Moi, pas de problème. Je peux faire le psy. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à en parler. Bon, si c'est trop grave, allez voir la police, parce que moi, je ne pourrais rien faire. Mais sinon, si vous avez un petit souci, un petit P qui passe pas, n'hésitez pas. Je peux vous aider à résoudre ce problème. J'adore ta vibe. C'est gentil, merci. C'est très sympa. Tu nous fais un tuto cheveux. Alors, je peux. En vrai, il n'y a rien de bien compliqué. On croirait que c'est compliqué, mais il n'y a rien de compliqué. Il vous faut juste un bon shampoing, voilà, un sèche-cheveux, et puis de la laque. C'est bon, cette coupe-là, en 5 minutes, elle est faite. Je me suis fait quitter par mon ex, oh, mais merde. Ex féminin ou masculin, dans les deux cas, c'était un connard ou une connasse. Tu sais, comme je le dis toujours, si quelqu'un part de ta vie, c'était qu'il y avait une bonne raison. Ce n'est pas toi, forcément, le ou la fautive. C'est juste que cette personne ne te méritait pas, ou vous n'étiez pas en phase. Et puis, bah, c'est tout, la meuf, elle t'a quitté, mais tu verras que sur le moment, ça fait chier. Sur le moment, c'est pas évident. Mais tu verras que, en prenant du recul, le temps, bah, ça apaise un petit peu. Ça fait que tu verras que tu y penseras beaucoup moins, ça fera moins mal. Et puis, tu passeras à autre chose. C'est tout bête, hein, mais tu passeras à autre chose. Comme l'amour ou l'amitié, hein, dans les deux cas, c'est tout, ça fait mal, mais le temps fait que ça passera, petit loulou. Je suis malade. Bah, Maury, qu'est-ce que t'as la chiasse? Il y a un petit prout. Bah alors, Amaury, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es malade, Amaury? Un petit prout? Qu'est-ce qui se passe? Un P qui passe pas, faut plutôt voir ça à un proctologue. Tout à fait. Moi, je ne peux pas régler ce genre de problème. Juste des petits soucis comme ça, vite fait. Pas de problème, voilà quoi. Oui, mais ça va aller, la team TikTok. Écoute, Glamrock, un de perdu, 10 de retrouvé. Bon, c'est totalement des conneries. Cette expression, c'est des grosses conneries. Un de perdu. Voilà. Voilà, c'est... Mais il faut l'accepter. Il faut accepter que la personne soit barrée. Puis c'est comme ça, on s'en fout. Et passe à autre chose. Allez hop. C'est pas évident, mais tu vas y arriver. Salut Dylan.
Ça marche, bonne raclette Val, gros bisous. Du coup, mon chat qui s'appelle Brochette et pas Gertrude. Hein, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ça ira mieux. Mais oui, tonton Flavien, c'est moi, tonton Flavien. Salut les Nidalia. Alors non, moi je me suis... Alors pardon, excusez-moi, moi je me suis jamais fait têche. Mais ça va pas, Clarisse, mais t'as piqué une crise. Alors, moi je suis hyper hypocrite dans mes conseils, sachez-le. C'est que je vous donne des conseils que je ne vais jamais appliquer parce que je me suis pas encore fait têche. Donc je peux pas vous dire ce que vous ressentez, je peux pas vous le dire. Je peux pas me mettre à votre place. Je me suis jamais fait têche. Donc, je vous donne des conseils, mais ça veut pas forcément dire que je les ai déjà appliqués, hein. C'est juste, je vous donne un conseil comme un psychologue. Mais sauf que vous me payez pas. Enfin, pour la plupart. Mais sinon, n'hésitez pas. Voilà, mais non, non, je me suis jamais fait têche. Bah, pour la simple et bonne raison que j'ai eu deux phases dans ma vie. J'ai eu la phase où je sortais avec des filles. Et c'était toujours moi qui les larguais. Parce que j'étais un petit con. Voilà, je larguais toujours les filles parce que j'aimais tellement sortir avec les nouvelles filles. Je sais pas, il y avait un côté un peu, j'ai collectionné comme des Pokémon. J'aimais bien, et puis je pense que c'était aussi une petite étiquette, j'en sais rien, une petite disquette, histoire de, voilà, combler, j'en sais rien, enfin bref. Donc je suis sorti avec plein de filles, ça n'a jamais duré très longtemps. Bon, c'est tout. Et après, j'ai été vers le camp des garçons et j'ai découvert un monde effrayant. Voilà. Sachez-le. Un monde effrayant. Le côté LGBTQIA+, VXZ, arrobase. Ce monde est effrayant. J'ai côtoyé des gens, des amis de lycée, machin. On allait dans des soirées, machin. Et j'ai rencontré, mais alors, un monde, t'as peur. Je me suis dit, mais alors, mais je n'ai rien à faire là, moi. J'ai rien à faire ici. Je suis resté 6 mois, un an. Histoire de faire une petite soirée, très sympa, bonne musique et tout. Et à un moment, je me suis dit, fuck, il faut vite se barrer de ce monde-là, parce que ça pue un peu du cul, ce truc-là. Tout le monde veut pécho tout le monde est en chien, tout le monde est en chaleur, et ça fait peur. Donc, non, on se barre. On se barre. Bruh. Oh oui, il y avait un peu de ça aussi, ouais. C'est vrai que c'est le... Ouais, donc je me suis dit, non, on va éviter de traîner dans ce milieu-là. J'ai totalement dit bye, j'ai quitté ce monde horrible, littéralement. Après, ce monde horrible pour moi, hein, comme d'hab. Peut-être que vous aimez bien ce monde, hein, chacun sa perception. Et puis après, bah écoute, j'ai rencontré Cricri par hasard. Et bah voilà, il est là depuis 12 ans, il me lâche pas. C'est chiant, il est collé à mes chaussures, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, rien, on parle de rupture, que ce n'est, parce que quelqu'un sur TikTok nous parle que bah il ou elle s'est fait têche par son ex. Donc je lui raconte que bah c'est pas évident que le temps guérit les blessures, mais que je peux pas vraiment me mettre à sa place parce que je me suis jamais fait têche. Salut Constance. Oh ouais, cri, oh, pot de colle. Oh, pot de colle. Oui, j'ai mis mon petit Pin Sonic. Bah oui, bah je l'ai terminé tout à l'heure. Je l'ai terminé tout à l'heure, le Sonic Superstars. Voilà. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas mettre un petit pin Sonic. T'es une meuf, ça marche. Ouais, moi je peux pas faire la différence entre les pseudos, donc c'est un peu compliqué. Bah oui, force à cette personne sur TikTok. Il y a Twitch qui vous envoie de la force, la team TikTok, bon alors. Ouais, mais c'est pas évident, hein. Les problèmes amoureux, les problèmes d'amitié? Non, c'est pas un pansement. Pas du tout, Cricri, pas du tout. C'est un bandage. Bon, est-ce que t'as fait une vidéo? Comment ça? Comment ça, j'ai fait une vidéo? Oui, demain, il y a une vidéo YouTube qui sort, ouais. Demain, YouTube, 18h. Venez sur Twitch, bien sûr. Eh, merci, hein, vous avez... hier, c'était dingue, la soirée. On en parle de la soirée, enfin, de la journée, concrètement. La journée était ouf, hein, la journée Mario Wonder et Animal Crossing. On s'est vraiment bien amusé, hein. C'était chouette. Ah, être heureux en amitié? Oula. Alors oui, je m'estime être heureux en amitié. Oui, Kazu. Ouais, c'était bien le live, hein.
Je vais répondre à la question après, ouais. Moi, je pense que je m'estime être heureux en amitié. J'ai très peu d'amis, mais en vrai, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Je suis bien entouré. Voilà, je suis très très bien entouré. J'en ai pas besoin de plus. Pas besoin de moins. Je ne suis pas contre à de nouvelles opportunités en termes d'amis. Hein, voilà. Vraiment, je suis ouvert, hein, clairement. Du coup, je suis un peu réfractaire. Parce que bah, plus le temps passe, en tout cas, bah, plus... on se méfie quoi. On se méfie un petit peu des gens. Mais sinon non, je suis très 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 heureux en amitié. Oh ouais, non mais Kazoo il était cinglé hein. Cinglé le Kazoo hein. Non mais c'est ça. Moi j'ai eu que des bonnes expériences en termes d'amitié. Sans trop vous en dire, rendez-vous bientôt sur la chaîne YouTube. Pendant cette année j'ai cru me faire des amis en me lançant sur Twitch et Constance, réponds-moi. J'ai cru me faire des amis sur Twitch. En fait, on sait pas. Amis, c'est tellement vague. Mais en tout cas, il y a des gens avec qui tu sympathises énormément. Et je me suis dit, ça pourrait peut-être se concrétiser en amitié. Mais vraiment, pour moi, amis, c'est fort. Hein, après. Ami, c'est fort pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais être ami avec quelqu'un, c'est beaucoup. Être ami, j'ai très peu d'amis, mais en tout cas, sympathiser. Faire des poteaux, salut Nata. Des petits poteaux, quoi. Non. Bah écoute, beaucoup de déceptions dans ce milieu, malheureusement. Heureusement qu'il n'y a pas que des déceptions, mais je vais vous faire une vidéo parce que ça me tient à cœur de vous le faire. Parce que tout le monde pense que ça, c'est un... attendez, je suis en train de faire mes poussières avec mes doigts, c'est vraiment dégueulasse. tout le monde pense que les réseaux, c'est que du bonheur. Mais il y a quand même une grosse couche de choses que vous ne voyez pas. Et qui parfois, c'est pas évident. Mais tout va bien, mais c'est vrai que faut que je vous en parle. Parce qu'au moins, tout est clair et net. Et ça fera un bon bilan de cette année. Parce que c'est la semaine prochaine, là, vendredi prochain, on va fêter les 1 an de la chaîne Twitch, vendredi prochain. Je vais vous faire un gros live de 14h à 20h, vendredi prochain, avec 3 jeux, comme vous le savez. On va peut-être même réussir à atteindre les 4K avant, avant la semaine prochaine, c'est carrément possible. Donc, vendredi prochain, les 1 an, on va fêter tout ça, le vrai 1 an. Le vrai 1 an, c'est mardi, mais mardi ça tombe sur un Zelda, j'ai pas envie de, entre guillemets, sacrifier un live Zelda parce que j'adore ça. Mais on va se faire ça vendredi avec de 14h à 20h, 3 grosses sessions avec plein de jeux, vous pourrez participer évidemment. On va faire des jeux très sympas et ça va être un très très bon moment. Et du coup pour revenir à la vidéo, oui, et la question d'amitié, je vais vous en parler parce que c'est vrai que parfois... Tu peux faire la rencontre de gens. En fait, t'as des gens qui tu crois sur ton chemin. Regardez par exemple vous. Là, sur l'instant, tout se passe bien, etc. Mais demain, chacun reprend sa vie. Chacun peut reprendre le cours de sa vie. Et parfois, dans ce chemin, t'as des gens qui te veulent pas forcément du bien. C'est triste, mais c'est vrai. Je l'ai appris pendant cette année. Et moi j'étais comme vous hein, peut-être. C'est que j'avais grave la pression. Salut Hecto Kato. J'avais grave la pression que je... Salut Nanook. J'avais la pression que tu pouvais faire confiance à tout le monde. Ah vraiment En tout cas des gens qui te paraissaient clean. Enfin, tu pouvais vraiment faire confiance à tout le monde, amis, des streamers, des gens, tu te lances en même temps, tu partages avec plaisir leur contenu, tu raides certains, tu acceptes même des gens d'être modérateurs dans ton équipe, je vais pas en dire plus parce que voilà, mais du coup tu te laisses un petit peu parfois manipuler, machin a dit ça sur toi, machin a dit ça sur ci, nanana. Moi, c'est vrai que tout ça, de presque amis de base, ça te touche énormément. Et c'est chaud de faire la distinction entre vrai et faux. Donc en soi,
En soi, ne regrettez jamais de donner la confiance à quelqu'un. Là, je rebondis sur ton message. Mais ne regrettez jamais de donner la confiance à quelqu'un. Je veux dire, moi, même les gens qui m'ont fait des gros coups de pute, ne regrettez jamais de donner votre confiance. Et il faut pas surtout que ça vous bloque de ne plus la donner. Votre confiance, donnez-la encore. Moi, je la donnerai toujours, ma confiance aux gens. Je regrette absolument pas. C'est juste que maintenant, la confiance, tu la donnes. En revanche, tu la redonneras plus. Tu vois, la personne, moi, je vais dire les choses très fermement. Ça veut dire que si la personne m'encule, c'est bye. C'est non. Je suis blindé maintenant. Je suis blindé, c'est-à-dire que le jour où la personne fait une crasse, équipe pas équipe, ami pas ami, connaissance pas connaissance, ça dégage. Je n'ai plus de remords. Je n'ai plus de remords. Alors qu'avant j'avais beaucoup de remords. J'écoutais trop la vie des gens. Alors que de base c'est pas un truc que je faisais. Mais voilà, une fois pas deux Kivini. C'est ça. Heureux Glamrock. Ouais, c'est ça Léa. T'apprends, mais en vrai t'en apprends tous les jours. T'en apprends tous les jours. Mais c'est là on parle de mon métier, mais on parle de vous aussi, enfin dans la vie de tous les jours. Je vois que Julie, elle était blindée aussi. Sachez que à la moindre occasion, si l'humain peut vous enculer, il le fera. Il le fera. Question, moi de mon expérience, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Et c'est pas être humble, pas humble. Je sais ce que je vaux. Je sais que je suis pas quelqu'un de grand dans ce milieu. Je sais juste que c'est de la jalousie mal placée. C'est d'être égoïste. C'est parce que parfois à certaines personnes, je n'ai pas donné le rôle qu'ils voulaient. Je leur ai pas donné la lumière qu'ils voulaient. Et du coup, ils sont partis. Et ils sont. C'est comme ça, après, je peux pas retenir les gens. Mais ça te. La jalousie, c'est un truc horrible. On est tous jaloux, en soi. On est tous un petit peu envieux. Bon app, Val. Moi aussi, ça m'arrive. C'est pas de la jalousie, en soi. La jalousie, c'est pas forcément négatif. En gros. Ça peut être un peu genre. Tu envies la personne, mais pas forcément, tu vois, méchant. Tu te dis, oh putain, c'est bien ce qu'il a, lui. Ou c'est bien elle ce qu'elle fait. T'as de la chance d'avoir ça. Eh ben donne-toi les moyens de l'avoir. Voilà. Donne-toi les moyens de l'avoir. Concrètement, c'est pas évident. Mais c'est un exercice de tous les jours. À force vous y arriverez à vous blinder. Ouais mais c'est ça. Franchement, on a tous cette petite part d'envie. On le sait, il faut l'accepter. Faut accepter. Moi des fois quand je suis très bien comme je suis très bien, mais quand je vois quelqu'un que je trouve, par exemple c'est tout con hein, mais quelqu'un qui est plus beau que moi, je me dis putain le mec il est pas mal. Ou oh la meuf elle a beaucoup d'abonnés. Ou oh lui putain il a de l'assurance. Ou ah oh, j'adore sa commu. Enfin il y a plein de trucs, tu te dis, il y a forcément de l'envie, on est humain. Je veux dire même la personne la plus riche, la plus blindée, la plus heureuse, elle aura quand même de l'envie. Sauf qu'il faut pas transformer, après ce n'est que mon avis encore une fois, faut pas transformer l'envie et la jalousie et la méchanceté. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Bisous bisous team TikTok. Et la jalousie, la méchanceté, alors ça, je m'attendais pas à ce point. Mais je vais vous faire des révélations dans une vidéo YouTube, je vais peut-être pas vous dire les noms. Mais je pense que les personnes qui me connaissent beaucoup, qui m'ont suivi depuis le départ, vous avez dû remarquer les trucs. Vous avez forcément dû remarquer les trucs. Des gens qui sont partis, des gens qui ont quitté la commu, des gens qui sont voilà par-ci par-là. Il s'est passé beaucoup de trucs. Sauf que moi, je suis un mur de pierre. Voilà, on se rend pas compte, mais je suis un mur de pierre. Je ne vous dis rien parce que c'est pourri en soi. Mais il s'est passé énormément de trucs, mais je vous en parlerai de vive voix entre vous et moi. Hein ? C'est un poison, mais totalement. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein, écoutez. Mais heureusement, c'est vraiment pas grand-chose. Il y a que du positif, en vrai. Parce que là, on parlait de choses un peu compliquées avec la rupture et tout, amitié, amis, etc. Mais en vrai, il y a que des trucs good vibes après. Hein. Vraiment. Hein. Ça va, Manu?
Installe-toi. Ouais, c'est pas évident. Mais il faut parler de ces sujets, hein. Il faut en parler en vrai, parce que c'est important. On n'est pas que des machines à sourire. Je ne suis pas qu'une machine à sourire. Moi, j'ai toujours, c'est vrai que j'ai toujours le smile. J'ai toujours la bonne humeur, mais c'est pas évident de rester insensible. Tu peux même pas rester insensible, c'est impossible. Pareil. Eh ben pareil, Nanook. Moi, je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. C'est clair, pareil. Mais c'est vrai que parfois avoir des œillères, bon, c'est un peu compliqué quoi. Mais oui, mais c'est ça, Julie, c'est comme ça qu'on se forge. Moi, c'est pour ça cette année. Là, on parle de choses un peu pas très drôles. Ouais, merci Estelle pour cette interruption. Intervention, c'est ça le mot que je voulais dire. Mais oui, c'est des expériences. Et moi j'étais nouveau dans ce domaine. J'étais nouveau. Donc, si tu veux, moi j'avais tout à découvrir. Et un an, ça paraît pas beaucoup, hein. Mais c'est énorme en temps, en investissement, en plein de choses. Et j'ai appris énormément. J'ai appris énormément sur moi-même en un an. J'ai appris énormément en termes techniques, comment gérer un stream, comment gérer la pression, le stress, parce que tout ça vous le voyez pas, mais parfois je suis hyper stressé dans certains trucs. Comment gérer une communauté? Bah, c'est un métier. Gérer une communauté, alors vous, ça va, vous gérez plutôt tout seul, et puis j'ai l'aide de Modo. Bah, faire confiance aux gens aussi, c'est pas évident. Mais de savoir faire confiance, d'apporter la confiance, de choisir une bonne équipe qui va te soutenir, des personnes qui vont être là pour toi, pour ce que tu véhicules, choisir les bonnes personnes, pas des gens qui font des dingueries qui peuvent entacher ton image. C'est tout con, hein, mais c'est beaucoup de trucs. C'est gentil, merci Nanook. Encore une fois, je dis pas ça pour me faire de la lèche. Hein. C'est juste qu'on discute entre nous, mais vous pouvez me faire part de vos expériences, hein, bien sûr. Et j'ai appris. Exactement. Salut Paris Imaël. J'ai appris, Julie, à déléguer. Et j'ai appris à déléguer. Alors ça, en un an, je ne savais pas déléguer. Je n'ai jamais appris à déléguer. Le Discord, sachez qu'il y a quoi, il y a 6 mois. Le Discord, je faisais tout. Je faisais tout encore il y a 6 mois. Hein. Je faisais les sondages, je faisais les machins, je faisais tout, les annonces. Poisson! Poisson! Alors, je faisais pas le poisson. Mais je faisais tout. Je faisais tout. De A à Z. Les événements, machin. Je voulais que tout le monde soit content. Je voulais la vie de tout le monde. Je surveillais tout le monde. Enfin, pas surveiller genre comme une caméra, tu vois, mais... je voulais que tout le monde se sente bien. Et ça m'a bouffé. Ça m'a bouffé énormément d'énergie. Oh! Ça m'a bouffé énormément d'énergie, le Discord. Le Discord, j'adore cet endroit. Mais je l'adore. Mais alors, quelle énergie ça m'a bouffé. Mais c'était... Waouh. Et après, j'ai appris à déléguer. Et quel bonheur. Ça veut pas dire... Ça veut pas dire... ça veut pas dire... je ne fous plus rien, bien sûr. Mais tu délègues à des gens qui le font par plaisir. Modo est pas forcément Modo, hein. Des fois des viewers, regardez la preuve, là je prends l'exemple de Hinata, qui s'est créé sa petite rubrique, et voilà, enfin il y a des trucs, ça tourne, des fois je suis même pas là, je me dis bah c'est beau, moi j'ai posé les bases, à vous de faire le reste, donc c'est ça qui est cool. Ouais, alors moi Manu, moi je donne ma confiance, c'est ce que je disais. C'est gentil Estelle, c'est adorable. Salut Natacha. Moi la confiance je la donnerai toujours facilement. Je ne changerai. Merci, c'est adorable. Merci pour les beats. Moi j'accorderai toujours ma confiance facilement aux gens, parce que j'adore les gens. Les gens me fascinent. Les gens sont sympas, les gens sont gentils, les gens sont intéressants. Je ne changerai absolument pas pour les gens. Mon caractère sera toujours le même. C'est pas les gens et les mauvaises expériences de la vie qui vont faire que je vais changer. Alors là, pas du tout. Au contraire, je me focus plutôt sur les gens qu'ils méritent d'être toujours pareil pour les gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Des soucis, on en a tous. On a tous des problèmes. On a tous des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça. Ça vous arrivera.
ça vous est peut-être déjà arrivé, ça vous arrivera encore demain. C'est comme ça, il faut vraiment pas changer parce que les gens vous ont fait une crasse. Jamais. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est... franchement, ne changez pas, les gars. Restez comme vous êtes. Hein, comme, et venez comme vous êtes, comme le dirait le McDo. Bisous là où tu sais. Bisous, Kivini, bye bye. Bisous, bonne soirée, amuse-toi bien. Ouais, c'est chouette. Non, changez pas. Bah oui. Bisous, Kivini. Mais c'est des trucs qui vont vous forger, hein, les amis, en vrai. Hein. Mais c'est chouette de parler de ces sujets un petit peu plus... un peu plus sérieux. C'est rigolo. Bisous, Kivini. Bah oui, oui, je parle de la rubrique que t'as mis sur le Discord, Inata. Installez-vous. Mais ouais, non. Il faut pas regretter, Manu, je te jure. La confiance, tu... Moi, la confiance, je la donnerai toujours. Salut, Pingu. Ma confiance, je la donnerai toujours aux gens, parce que les gens sont bah, merveilleux à découvrir. Tout simplement, les gens sont très sympas. Les gens méritent qu'on leur apporte de la confiance. Salut Rakao, Rakao. Ouais, franchement, toutes les expériences, ça sont bonnes à prendre. Après, si vous avez une anecdote à dire, n'hésitez pas à me le dire, hein, et puis vous passerez sur la radio Flavien. Bah ça va super, et toi Pingu? Mais toutes les expériences, oui, elles sont bonnes à prendre. Là, c'est parce que là, je suis dans ma phase où ça va faire un an, la semaine prochaine, donc je prends beaucoup de recul. Pour vous créer une vidéo YouTube digne de ce nom, sans filtre, sans mytho, sans rien, vous me connaissez. Je vais vous raconter vraiment plein de trucs ultra positifs et ultra négatifs aussi, sans mettre dans la sauce des gens, parce que même s'ils le méritent littéralement. Oh, bravo! Bravo Pingu! Bravo Pingu! What? Bravo Pingu, c'est cool ça. Eh, décidément, il y a tout le monde qui a des contrats cette semaine, c'est quoi ce bordel? Eh, vous avez vu mon David Guetta là? Bravo Pingu, c'est cool. Ouais, DJ Flavien. Qu'est-ce que tu veux? Mais ouais, pour en revenir à... David Guetta. Pour en revenir à la confiance, non. Accordez-la la confiance. C'est pas 2-3 connards sur votre route qui vont faire que vous allez changer quand même. Ah, je te jure, Didier Flavia. Pibi, pibi, on's on the brass. Ouais, t'inquiète, je vais te faire des DJ. C'est vrai. Hein. C'est cool. Oui, ça va super. Là, on discute jusqu'à 22h. Et après je pars sur du... je pars sur du Outlast, le DLC. Ah, c'est vrai. Je sais pas s'il faut... ouais. Alors, le Flavien d'il y a un an et le Flavien d'aujourd'hui, c'est pas le même. Je le sais. En positif, évidemment. Je suis trop content de mon évolution, pour être totalement transparent avec vous. Je suis trop content. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis très content d'être approché par des marques, la commu qui s'est développée énormément. J'arrive à faire de ce rêve une réalité petit à petit. C'est pas encore tout à fait stable encore cette histoire, mais c'est en train de petit à petit. Je vois que mes efforts prennent tout simplement. Mes efforts prennent. C'est beaucoup de travail derrière un écran. Beaucoup de temps où t'es tout seul. T'es énormément entouré sur les réseaux, mais t'es beaucoup seul parce que tu travailles énormément. Tu fais des montages, tu tournes, tu fais des tournages, tu rencontres des gens, tu fais des streams. Alors les streamers vous le diront. Les streamers, c'est ils vous le diront, c'est beaucoup d'investissement. Une chaîne Twitch, etc. Une chaîne YouTube, c'est pareil. Des TikTok à faire, des montages, tout ça, c'est pas évident. Mais je suis tellement content de mon évolution, et le Flavien d'il y a un an est ravi, quoi.
Avec plein de doutes, mais c'est très cool. Ah, oh, mais c'est ça. Exactement, Estelle. Je suis carrément d'accord. Ouais, mais je l'ai appris, Nanouka. Et je l'ai appris. La vérité, je l'ai appris. C'est pour ça que, dans la vidéo YouTube, je vais vous en parler des trucs négatifs. Parce que, pendant cette année, 12 mois, c'est... 12 mois, c'est énorme. Il se passe énormément de choses. Salut, salut! Comment ça va, Mistouille? Merci pour le Prime! Tu vas bien? Mais oui, pendant... Et de la force mentale. C'est pas évident. Carrément, à que ce le. Mais c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de vous faire peur sur le métier. Ça va, Nanamikun? Ça va très bien. Mais vraiment, pendant un an... Pendant vraiment un an, donc ça paraît court, mais c'est quand même... Moi, je trouve que c'est passé ultra vite. Mais pendant un an, tu vas faire énormément de choses. Tu vas rencontrer beaucoup de gens. Tu vas faire confiance à plein de gens. Moi, j'ai passé un an inoubliable. J'aimerais vraiment que la deuxième année soit aussi bien que la première. J'ai fait des rencontres de dingue. Il y a des gens que je ne connaissais même pas en septembre dernier. Octobre dernier, il y a des gens, je ne vous avais même pas vu, je ne vous connaissais absolument pas. Donc rien que vous êtes la première, les best rencontres, hein, concrètement. Il y a des gens que je vois tous les soirs, il y a des gens que je vois très souvent toutes les semaines, tous les mois, des gens qui passent en coup de vent, mais que ça fait plaisir de retrouver leur petit pseudo. Donc il se passe vraiment de belles choses. Genre mes modos. Il y a des modos, alors il y a eu beaucoup de va-et-vient en termes de modos, hein, mais je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde d'avoir été là, d'avoir donné de leur temps, d'avoir donné de leur soutien. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Donc je sais qu'en plus, quand t'es modo, t'es un petit peu les personnes qui passent entre guillemets en second plan. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont très mal vécu. Ça, je le sais fortement, je le sais, donc par expérience. Et c'est comme ça, c'est... Mais tu rencontres tellement de gens en un an, tu t'en rends même pas compte, ça passe tellement vite. Et t'en gardes énormément de souvenirs. Et après, ouais, la commu, elle s'est agrandie de malade. Moi, j'étais un petit peu pris... J'étais un petit peu pris dans le dépourvu aussi. C'est qu'il y a un moment, j'étais pas très... Comment vous dire, j'étais un peu pris de court. Il y a un moment, ça allait trop vite pour moi. Il y a un moment, ça allait un peu trop vite pour moi. J'ai eu une sorte d'angoisse. Je sais pas comment vous décrire ça, mais... Bah, bien sûr, vive les modos. Mais c'est eux qu'on doit remercier de base. Les modos ici, mais les modos Discord aussi, qui font que la commu, elle fonctionne. Évidemment. Les modos, j'ai fait des rencontres... J'ai fait de la rencontre de modos de dingue. Hein. Même des gens qui se sont barrés. Hein, pour X ou telle raison. Je ne crache sur personne. Malgré que beaucoup crachent sur ma gueule. Mais c'est comme ça. On pardonne mais on n'oublie pas. Moi aussi j'ai fait des trop belles rencontres sur Twitch. Trop belles rencontres. Des streamers. Des potos que je vais croiser. Même à la Paris Games Week. Je suis tellement content de les rencontrer. Il y a des gens... Des streamers, alors j'ai pas le temps d'aller voir des streamers. J'aimerais tellement rencontrer, d'aller sur des streams des gens. Des fois, moi j'aide à ma façon si je fais un raid. Il faut un jour, si vous êtes sur une chaîne. Merci, c'est gentil. Ça va, Maëv? Si un jour, vous avez l'impression que je ne vais pas sur vos lives, c'est pas que j'en ai pas envie. C'est juste que soit j'ai plus l'énergie, ou soit j'ai pas le temps. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment ça. Donc, à ma façon, moi, pour partager, vous donner un peu de mon soutien, eh ben, je raid, je parle de votre chaîne, je vous mets en avant, je fais plein de trucs, mais je suis incapable, je ne suis pas un bon spectateur de live. Regardez, hier, on a été voir Yaya, qui est une de mes modératrices, et elle s'est lancée pour la première fois sur Twitch. J'irai pas la voir souvent, Yaya. Elle le sait. Je peux pas. J'ai pas le temps. Enfin, j'en serais incapable. Et surtout quand t'as 4 heures de stream dans les pattes, t'as la flemme, concrètement, hein, qu'on se le dise. Donc, je la soutiendrai à ma façon. Parce que Yaya, elle a fait partie des gens qui m'ont aidé au tout début. Elle a toujours été là aussi. Elle a toujours géré. Que tout le monde se sente bien sur le Discord. Enfin,
Moi, les modos, j'ai envie de les mettre en avant tout le temps. Mais je peux pas. C'est pas possible. Ouais, je suis très pris. La vérité, je suis très très pris. C'est adorable. Mais avec grand plaisir, Amélia. Amélia, elle est incroyable. Voilà, Amélia, elle est incroyable. Par exemple, c'est une très belle rencontre, Amélia. Twitch m'a réconcilié avec l'humain. Je suis carrément d'accord, Julie. Moi aussi, j'ai fait que des belles rencontres sur Twitch, la vérité. Non, pas que. Non, non, non. Non, je n'ai pas fait que des belles rencontres. Non. Non, 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 ça c'est faux. Arrête de mentir. Donc, on rembobine, s'il te plaît. Tais-toi, petite pétasse. Voilà, on rembobine. J'ai fait des rencontres. Voilà, c'est quand même plus vrai. On va arrêter de ce mytho. La bienveillance, on va arrêter le mytho. Non, j'ai fait des rencontres. Certaines plus belles que d'autres. Mais en tout cas, des rencontres quand même. Ouais, Amélia, elle est incroyable. Amélia, elle me fait rire. Mais c'est pour ça, il y a des gens comme ça qui méritent. Ils méritent plus, mais j'en fais déjà énormément et j'ai la flemme d'aller voir les streamers. Pas que je les aime pas, hein. Des fois je vais chez Maître Renard, des fois je vais chez Pix. C'est rare que je vais chez Pix. C'est pareil. Pix, avant que je me lance sur Twitch, je comprenais pas avant pourquoi les gens n'allaient pas chez les streamers les uns les autres. Je comprends maintenant. C'est juste le temps et l'énergie. Moi, je préfère mettre 4 heures avec vous en pleine puissance et d'être lessivé après, mais heureux, quitte à fermer l'application, vous m'entendez plus parler, et voilà, que de mettre 4 heures moyen et ensuite d'aller voir quelqu'un et de squatter 2 heures. C'est vous la base, la priorité. C'est vrai. C'est ça. C'est pas évident, hein. Salut, Zelayan. Ça joue à Mario Kart? Ça nous a pas invités? Bah oui, hein. Salut Lenzo. Non, je pense pas que ce soir on va prendre des gens pour la radio, Flavien. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Là, on est juste en train de discuter. À part si quelqu'un a une anecdote à raconter sur l'amitié, etc. Franchement, pas de problème. Sans dénoncer des gens, bien sûr. Mais pas de soucis. Bah oui. Bah, Pingu, par exemple. Pingu qui fait des streams aussi pourra vous dire que c'est épuisant. Oui, c'est ça. Ah, moi je me force pas déjà pour les gens de base, alors je vais pas commencer. Hein. C'est ça, t'as pas fait, d'accord. Ouais, c'est ça, The Lion. Ouais, là on parle de... Je crois que le thème c'est la confiance, apparemment. Vous voyez, à chaque fois il n'y a pas de thème précis dans les discussions. Enfin si, ça arrive. Mais bah, là il y a toujours... Là c'est la confiance. Bah en vrai, changez pas pour les gens. Les gens vont... Je pense que les gens c'est que des passages. Il y a beaucoup de gens qui vont passer, c'est triste, mais c'est vrai. Il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont rester énormes, il y a des gens qui vont rester beaucoup de temps dans votre vie, et il y a des gens qui vont s'éclipser. Et c'est ok, voilà, moi je l'ai bien compris, au départ ça m'a fait vachement mal. Il y a des gens, je me suis dit, mais attends, mais tu prends quand même le temps pour eux, tu crées des choses, tu fais des trucs et tout, t'essaies de mettre... les gens bien, et ces gens-là se barrent parce que X ou telle raison. C'est pas simple à accepter, mais il faut l'accepter. Il faut carrément l'accepter parce que vous n'êtes pas indispensable, vous n'êtes pas le plus important, vous n'êtes pas dans la tête des gens, et que les gens sont changeants. Les gens ne vous sont pas exclusifs, sachez-le. Ça, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours accepté. Les gens ne vous sont pas exclusifs. Ça veut dire que demain, ils peuvent très bien partir, revenir dans 6 mois, dans 1 an, revenir après, et on s'en bat les steaks. Salut Shinobu! Mais je suis d'accord avec toi, Léa. Il y a des gens, le départ, ça fait plus mal que d'autres. Mais c'est parce que tu t'attaches aux gens. Et il ne faut pas s'empêcher de s'attacher aux gens. Moi, je m'attacherai toujours aux gens. Crystal, t'as pas trop l'impression d'être un peu hors sujet, là, chérie? Merci à toi. En plus, tu vas niquer 100 points, ça sert à rien. D'accord, on se concentre. Mais oui, il y a des départs qui vont te faire plus mal que d'autres. C'est la vie, les gars. Eh, c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Moi, il y a des gens, ils sont partis de ma sphère. Ah, boy, hi, girl. Salut, Paul. Il y a des gens qui sont partis de ma sphère. Ça m'a impacté énormément. Ça m'a impacté beaucoup. Et après, bah, le temps guérit les blessures. Le temps fait que bah, tu passes à autre chose. C'est con, hein, mais tu t'habitues. C'est tout bête.
Donc, y a des trucs où tu te dis, en fait, les gens ne sont pas indispensables à votre vie. Les gens sont cool, les gens sont gentils, les gens sont aidants, et les gens sont vraiment incroyables, mais les gens ne sont pas indispensables. Et c'est pas grave, et on s'en fout. Voilà, il y en a d'autres. Et c'est un cheminement, hein. Si je faisais un petit retour d'il y a un an, ma commu d'il y a un an, bah, il n'y a pas la même commu qu'aujourd'hui. Il y a des gens, il y a un an pile, vous n'étiez pas là. Il y en a d'autres qui sont là. Et peut-être que demain, vous partirez. Hein? Mais c'est ça, les relations humaines, Estelle. Toi-même, tu sais. Hein, c'est comme ça. C'est les relations humaines. Moi, j'en garde que du positif. Mais il ne faut pas que le négatif vous impacte de trop. C'est très facile à dire. Moi, ça y est, je suis blindé. Je suis, mais alors, blindé. Vous ne pourrez plus. Il y a des moments, j'ai passé vraiment des sales moments hein, pendant cette année. Hein, des sales moments. Et en fait, j'ai trop mélangé le fait que mon métier, bah, ça reste mon métier. Que je suis il faut faire que du divertissement. Il faut pas accorder forcément la confiance à tout le monde. Mais il faut le faire quand même. Bizarrement, il faut essayer. Faut pas regretter. J'ai une amie qui m'a lâché après 10 ans d'amitié. Ça fait 3 ans, mais merci pour passer à autre chose. C'est très dur. Mais c'est tout à fait normal, Julie. Eh, il y a des gens, si ça fait 10 ans. En fait, c'est même pas le fait, je pense, qu'elle t'ait quitté. Tu me diras qu'elle ait quitté l'amitié. C'est l'habitude. Et en fait, Julie, t'as dû créer une habitude avec elle. Vous aviez vos routines, vous aviez vos moments. Donc forcément que ça t'impacte. Et puis, tu aimais la personne en amitié. Donc évidemment que ça t'impacte. Mais le temps guérit les blessures. 3 ans, c'est peut-être peu. Mais je pense qu'en fin de compte, tu auras toujours une petite plaie, je pense. Hein, au fond de toi. Mais essaie de garder les bons moments que t'as vécu avec elle, même si c'est dur. Il y en a eu des très bons. Hein? Mais c'est pas évident. Hein. Je suis carrément d'accord avec vous. Hein. Carrément. Ouais, c'est bien les sujets comme ça. Hein. C'est important d'en parler. C'est quoi ton anecdote? Ça repart dans la joie. Bah écoute, Inata, pourquoi pas? Tu veux participer à la radio Flavien? Attends, vas-y, viens. Tu vas nous raconter une petite anecdote. Alors, attends. Bouge pas. Ma très chère Nao, la standardiste n'est pas encore là, je crois. Je sais même pas si elle viendra aujourd'hui. Attends, bouge pas, Inata. Quabip, normalement, tu vas pouvoir me rejoindre. Premier invité de... Hop là, normalement, je suis connecté. Voilà. Premier invité de la radio Flavia. N'hésite pas. bouge pas. Comme ça, vous pourrez entendre sa petite anecdote, Inata. Ouais, je suis d'accord avec toi, Constance. En fait, c'est... Alors moi, j'ai pas ce problème-là avec les amitiés un peu qui te pourrissent après. Mais c'est compliqué, hein, carrément. Inata nous a rejoint pour la radio Flavien. Bonsoir, Inata. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, bien sûr. Bonsoir, on te reçoit dans la radio Flavien, la radio qui te veut du bien. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Une bonne semaine surtout, déjà, avant la soirée, une bonne semaine. Semaine, oui, et soirée, bah ça va. Hein. La baisse, ça va, tout s'est bien passé, tout va bien. Bon. Tranquille. Alors raconte-nous ta petite anecdote qui apparemment va mettre en PLS l'ambiance concernant la confiance et l'amitié. Allez, vas-y. Non, mais c'est juste un petit moment de l'histoire qui est un peu plombant, mais sinon, voilà. Mais fais-toi plaisir, on est là. Tu sais qu'on n'est pas forcément obligé de parler que des sujets ultra good vibes, machin. Donc, le but, c'est de vous écouter, même dans les moments un peu relous. Donc, n'hésite pas à en parler, Inata. Je t'écoute et on t'écoute. Alors, salut maître. Ça commence. Ah mais c'est chiant, c'est vrai, oui. Moi, c'est la primaire, oui, c'est CE1. Oh. On va s'adapter, t'inquiète. Oh. On fera genre qu'on a compris. T'inquiète, on va hocher la tête. Attends, parce que si tu veux, j'ai mon petit tableau des années. Me te prends pas la tête, raconte. T'inquiète. Alors. Salut Léa. Ça a commencé en CE2, du coup, chez vous. Okay. En CE2, où ouais. J'étais. En fait, j'ai commencé une amitié avec deux personnes.
On va les appeler plantes et herbes. Voilà. Plantes et herbes, d'accord. Allez, ça marche. Pour pas dire de nom. Alors, plantes et herbes, il n'y a pas de souci. Quel beau prénom. Hein. Salut, Dali. Magnifique. Et du coup, voilà, on a sympathisé, on avait des sujets en commun, voilà, on aimait bien les animés ensemble, donc on en parlait, les jeux vidéo, etc. Bref, on avait des sujets en commun, on s'amusait. Donc c'était encore quand même, on était quand même un petit peu petits, on a 8-9 ans. Donc, oui, c'est eux deux, c'est eux deux, t'es jeune, voilà, tu parles des dessins animés, voilà, enfin, tu des petits atomes crochus, quoi. Ouais. Oui, ça s'est un petit peu complexifié, on va dire, jusqu'en CM2. Pourquoi ils avaient... Attends, ils avaient volé tes cartes Pokémon? Non. Ah, j'ai eu peur. Ah, oui, une seule. Ah. Mais j'étais consentant, donc ça va. Donc, en CM2, on a comme... Voilà, enfin, en fait, leur personnalité a totalement changé, parce qu'il y a une personne... Non, deux personnes qui ont rejoint notre groupe de potes. Ouais. C'est-à-dire que, genre, on va les appeler, je sais pas, oh, on va pas leur donner de nom parce qu'ils sont pas importants dans l'histoire. Oui, on va les appeler Gertrude et comment ils s'appellent je sais plus, attends, c'est Gertrude Patrick. Et comment? Et, ah, vas-y, et Patrick. Voilà, Gertrude et Patrick, donc Gertrude a influencé Plante et Patrick a influencé Herbe. D'accord. Donc, ils ont commencé un petit peu à être un peu plus distants, on va dire, mais ça va, on reste encore amis. Et on continue à parler, voilà, on se voyait pendant les récré. Ouais. Et en fait, ces deux personnes, Gertrude et Patrick, au bout de la sixième collège, ouais, on va dire, en fait, ils ont totalement coupé les ponts avec Herbe et Plante. D'accord. Du coup, ils ont fait les gros faux culs en revenant vers moi en mode « Ah !» Ils sont revenus vers toi. Ouais, voilà. En fait, ils se sont rendus compte peut-être que c'était des gens à problème. Et vu qu'ils ont été, comment dire, on leur a un peu, j'ai pas le mot, merde, influencés. Ils ont été influencés concrètement. Et vu qu'ils ont vu que c'était peut-être des gens méchants, des gens à problème, ils sont revenus vers toi, genre en pensant que ça allait passer crème. Bisous, Kazou. Ouais. Sauf que moi, entre-temps, à côté, bah, je m'étais fait d'autres amis. J'avais pas que ça à foutre de traîner avec des gens qui avaient d'autres gens à côté. Bien sûr, t'as pas le temps, t'es une star, tu passes à autre chose. Mais oui, vraiment, ils ont cru que j'étais qui, en fait. T'as grave raison. Tu crois que je sais qui. Et du coup, bah voilà, je me suis fait d'autres potes à côté. Voilà, j'étais tout friendly. Mmh. Et ils reviennent vers moi en mode « Ah, coucou, ça faisait longtemps. » T'en auras toujours. T'en auras toujours. Non, mais... Des hypocrites et des faux culs, t'en auras tout le temps. À toi de faire la différence entre personne lambda, amis et personne voilà, qui juste apparemment veut gratter un peu de discussion avec toi. Après, c'est intéressant de parler avec des faux culs, tu sais, hein, avec des hypocrites. Parce que du coup, ah, mais t'inquiète pas, t'as un autre regard sur eux. Les utiliser à mon insu, t'inquiète pas. Ah, bon, voilà. Du coup. En fait, cette relation un peu distante, mais un petit peu proche, a continué jusqu'à la cinquième au collège. Yes. Et même encore un peu en quatrième, jusqu'au moment où ils viennent vers moi en mode toujours friendly, et que je m'étais fait d'autres amis, parce que mes autres amis qui étaient en sixième collège, bah, ils avaient changé entre-temps d'école, etc. Donc, ça marche. J'étais vraiment en contact avec eux. Donc, je m'étais fait d'autres amis qui sont maintenant mes meilleurs amis. Ouais. Merci. C'est cool. Et en fait, entre temps, tu vois, ils étaient encore en mode ah, friendly. Bah oui, non. Forcément, évidemment. Du coup, j'ai décidé de couper les ponts totalement. Donc, je les ai dit, allez faire. Voilà. Avec tout le monde Ah, mais planter herbe. Planter voilà, herbe. Quoi. Salut Elbias, ça va super planter et toi herbe. J'ai vraiment dit planter herbe. Ouais. Donc, voilà. Ouais, t'as vraiment. T'as tondu le gazon, quoi. T'as pas cherché. Ouais, quoi. Voilà. J'ai retiré les mauvaises herbes, quoi. T'as bien fait. J'ai dit, bon, à un moment, on va pas se faire chier. Vous allez arrêter de me faire chier. Vous allez arrêter de me suivre. Je suis une star, peut-être, mais pas pour autant que vous devez me lécher le cul. Donc, merci, mais au revoir. T'as bien fait. C'est pas évident, hein, de dire stop. C'est pas évident. J'ai fait mon courage à deux mains. J'ai fait, allez hop. Ça c'est dégage, à un moment, faut pas abuser. C'est pas évident. C'est toi le plus, en fait, c'est toi le plus courageux, hein, dans l'histoire, hein, parce que de dire stop à des gens, de leur dire écoute, j'ai plus envie de te parler, de bloquer quelqu'un,
donne follow quelqu'un, bah c'est toi qui es le plus courageux hein, dans l'histoire. Ah mais j'ai fait ça, j'étais en mode waouh, ça fait du bien. Ouais c'est bien, t'as eu raison. Et du coup en fait cette année, enfin l'année passée scolaire mais cette année globale. Cette année là. Ils sont revenus. Bah tiens. Ils sont venus en mode oh, ça fait longtemps. Eh ben certainement parce que tu dois être quelqu'un d'intéressant et que à mon avis ils avaient fortement envie de retraîner avec toi et tu leur as dit oui ou non du coup. En fait, la raison, il faut déjà dire la raison pour laquelle ils sont venus vers moi. Ils sont venus vers moi parce qu'ils avaient entendu d'autres potes qui, comme quoi il y avait des rumeurs que j'étais, voilà, pas très d'accord. Hétéro. D'accord. Donc en gros, en gros, ils voulaient traîner avec toi parce que vous aviez le même objectif, quoi, un point commun. D'accord. Voilà, ils ont découvert ça, ils étaient en mode oh friendly, on est de la même communauté. Ouais, mais bon, ouais. Bah alors ça c'est vraiment des gens mais hyper toxiques. T'as bien fait de les supprimer de ta vie concrètement. Je les ai regardés en fait. Parce que pardon, mais alors si je prends cet exemple, moi je suis un homme, du coup je vais être ami avec tous les hommes. Ouais vraiment. C'est un peu ça. Voilà, du coup je vais chercher par critère, je vais chercher les gens, les hommes, bruns, barbe. Mes grichons, ils vont être tous mes potes. Ouais, voilà, exactement. C'est comme si tu cherchais vraiment sur le compte de Nintendo, tu regardais les personnes abonnées à Nintendo, tu t'abonnais à toutes les personnes. Oh, exactement, c'est quel enfer. C'est vraiment horrible. Mais oui, mais t'en gardes pas des séquelles de ces histoires. Mais totalement pas, justement, c'est ça bien. M'a fait juste remonter vers le haut, quoi. C'est ça. À présent, j'ai une pote, tu vois, j'ai une pote aussi qui a des amitiés très toxiques, mais elle s'en rend même pas compte. Ouais. Que vraiment, le mec, il s'approche de moi, mais tellement, il lui faut un coup de pied dans les boules, hein, je te jure. Et je l'ai vraiment fait la dernière fois. Il me fait chier, mais à un point, je te jure, je le. La violence, ça ne résout pas tout, mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais pas de violence, Ah, mais ça fait du. Oh mon dieu. Je suis obligé de faire des messages de prévention, tu te doutes bien, voilà. Ouais. Pas de violence. Faut pas faire ça chez vous, les enfants. Non. D'accord non, pas du tout. La violence, c'est mal. C'est très mal. C'est très très mal. Mais oui. Là, il avait vraiment m'écouté. Mais t'as bien fait en tout cas de couper les ponts. J'allais te dire ce que je disais tout à l'heure. Les amis, tu t'en feras d'autres. Hein, c'est bête, hein, mais il y a des gens qui. En plus, toi, t'es un petit bébé là. T'es qu'au tout début de live. Je veux dire, comme tu dis, c'est des expériences qui vont te forger. Qui vont faire que bah, Hinata va devenir grand Hinata. Et que bah, Hinata va apprendre, va faire plein de relations, va expérimenter, va accorder sa confiance et puis bah, va grandir, hein, très cher Hinata. C'est comme ça que ça marche, les relations humaines. Ouais, même si elles sont pas très très humaines, les relations. Ça, mais humaines ou pas humaines, hein, virtuelles aussi, c'est des relations, tu sais, j'en ai fait les frais cette année. Oulala. Je t'avoue que je préfère clairement mes relations virtuelles que réelles. Hein. Il faut pas négliger l'un et l'autre. Les deux sont importants, je pense, en 2023. Faut pas tout miser sur le virtuel et faut pas miser tout sur le. Tu vois, si tu peux avoir un mélange des deux sain, de faire moitié-moitié, un peu de virtuel, un peu de irréel, même avec une pote, il y en a assez. Enfin, je veux dire, il faut pas négliger l'un et l'autre. Sinon. Et aussi, en fait, mon comportement a totalement été changé par toi. Par moi ? Que je suis. Oui. Comment en fait, ça par moi ? Tes lives m'ont totalement, je vais pas dire influencé, mais genre, ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Oh. C'est-à-dire que, genre, par exemple, tes lives, etc., quand j'y participe, tu vois, ça me donne un peu plus confiance. Ah oui, de parler devant des gens et tout en live et tout le vendredi ? Ouais, carrément. Bah même là, enfin, je veux dire, prendre la confiance de parler avec des gens, ouais. Genre, ça m'a donné totalement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confiance en moi. Et genre, depuis, franchement, je suis une vraie flèche. Hein. J'ai dit ce que je pense et j'en ai rien à battre. Il faut pas s'empêcher. C'est ce que je dis toujours, faut dire les choses. Faut dire les choses avec du tact, chose que je n'ai pas. Faut être gentil avec les gens, faut être sympa. Que... Faut être sympa, Hinata. Dis-toi que tellement j'arrive à être hypocrite avec les gens, je te jure que même mes potes, ils ont peur que je le sois avec eux. Ils me l'ont dit la dernière fois. C'est pas être hypocrite, c'est juste que tu t'adaptes aux gens. C'est pas être hypocrite.
On est tous un petit peu hypocrites, je pense. Salut, Nico. En fait, c'est hypocrite, c'est pas forcément le hypocrite genre faux cul, tu vois, Inata. Après, c'est que mon avis, tu me diras, mais... Genre, il faut s'adapter à tout le monde. Il y a des gens que tu vas aimer, d'autres moins, et puis c'est tout, c'est comme ça. Moi, par exemple, admettons, je vais être invité à une soirée, il y a une personne que je n'aime pas, je vais m'adapter. Ça veut dire que si la personne me parle, je vais pas non plus l'envoyer chier. Je vais lui parler, mais je vais lui montrer... que dès que la soirée sera terminée, voilà quoi, on va pas non plus aller boire un verre ensemble. C'est-à-dire que pour le bien de la soirée, je vais pas faire ma drama queen, tu vois. Je vais passer une très bonne soirée. Je vais pas échanger plus que ça parce que t'es comme moi du coup, Inata, c'est que je peux pas faire semblant non plus. Je ne suis pas non plus, voilà, c'est pas possible. Je vais faire en sorte que tout se passe bien. En revanche, dès que la soirée est terminée, la personne, je n'aurai plus signe de vie, quoi. Enfin, elle n'existe plus, quoi. Ah, mais donc, clairement. On est tous un petit peu hypocrites. Je veux dire qu'il y a. Par exemple, genre, tu vois, avec mes meilleurs potes, ouais. il y a une fille, tu vois, il y a une fille qui est vraiment, genre, hyper. On va pas dire chiante, mais genre. Elle fait un peu, genre, ça, madame, je sais tout, tu vois. Ouais, non, tu sais, c'est une grosse relou. Une relou. Elle est un peu forceuse en mode ouais, on est best friends. Non, ma chérie, tu restes à ta place. C'est genre, pas évident. Je te jure que quand je fais ça devant mes potes, genre avec mes potes, tu vois, je suis grave focus en mode ah oui, trop câlin. Et quand derrière, je lui parle, mais hyper mal sur ton dos, il me regarde et c'est en mode mais je sais plus qui c'est. C'est parce que Inata, t'es juste une petite fouinasse et t'es une petite canaille. C'est juste parce que oui. T'aimes bien jouer avec ça. En soi, je pense qu'il n'y a pas, de once de méchanceté de ta part. C'est juste que t'aimes bien faire le show, ça amuse la galerie, c'est rigolo. Faut pas prendre ça au premier degré, à mon avis. Bon, après, je fais clairement pas partie des... Bon, ça, c'est une généralité, entre guillemets. Ouais. Mais je fais pas du tout partie des populaires dans mon collège. C'est vraiment Ça veut rien dire, là. Mais c'est juste que oui, tu... Alors, en amitié, t'es la personne qui va faire rire, qui va faire sourire, et puis juste pour distraire. Ouais. Voilà, mais c'est bien, c'est cool. Et oui, comme le dit Akusule, personne n'est parfait, hein, mais concrètement. Bisous, Océane. Eh ben, très belle anecdote, Inata, dis donc, là, sur l'amitié. Mini Flavien, là. Ça m'a bien fait plaisir. Qu'on m'a donné. Ouais, bah oui. Mais ça me fait plaisir, en tout cas, merci pour tes mots. Ça me touche, je suis bien content que mes lives vous aident un petit peu à passer un petit cap de discuter avec des gens, ce qui est pas évident, hein, de prendre la parole comme ça devant des gens. Regarde là, une trentaine de personnes, bah c'est pas évident. Et ça peut vous aider dans votre vie, totalement. Ça fait un peu d'exercice. C'est comme du théâtre, hein, streamer, c'est du théâtre, hein, en vrai. Hein. C'est comme passer quand on te dit de passer au tableau, c'est pareil, c'est le même délire. Hein. C'est pareil. Ça c'est ma phobie. Bah oui, on souhaite un bravo à Inata. Merci Inata en tout cas pour ton passage à la radio, Flavien. Et on te fait des gros bisous. Bisous Inata, bye bye. Bravo Inata, mais quel passage, mais incroyable, mais franchement, mais incroyable hein, ce petit Inata, hein, on adore, hein. Non, ça fait plaisir. Merci pour vos messages et tout, c'est très 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 cool. Bah, content que ça peut vous apporter un peu de confiance en vous, le fait de passer ici en live, quand on joue le vendredi, c'est très cool, c'est très chouette. Ça va bien, merci, super. On parle, bah écoute, on est sur un thème de la confiance. Accorder sa confiance aux gens, ne pas l'accorder, quand on l'accorde ça fait mal et tout. Enfin, c'est un sujet assez important quand même. C'est rigolo de parler de ça avec vous. N'hésitez pas à venir sur Twitch évidemment, la team TikTok. Bravo Inata, GG. Trop puissant, bien sûr. Trop puissant. Je joue plus à Zelda, si. Zelda, je joue le mardi et le jeudi. Le mardi, jeudi. Dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, un planning assez différent. Parce que du coup, vous allez voir que vendredi, on va fêter les 1 an de la chaîne Twitch. J'ai déjà choisi les trois jeux que nous ferons ensemble. Vendredi prochain, de 14h à 20h. Merci pour le lurk, Constance. De 14h à 20h. Gros stream de 6h la semaine prochaine. Poisson ! Poisson ! Donc, si jamais vous voulez participer, il faudra vous inscrire dès lundi. Et après, ça va être des semaines assez intenses pour moi parce que, Paris Games Week, etc. Beaucoup de choses qui arrivent. Les fêtes de fin d'année et tout, là, on s'approche. Alors, mon planning, vous pouvez le trouver sur Twitch. Vous pouvez le trouver sur Discord ou sur mes réseaux. Moi, si vous voulez de mes nouvelles, il faut venir sur Insta.
Moi, je suis, j'ai mon nez sur Insta et sur Blue Sky en ce moment. Voilà, moi je suis que sur Insta en ce moment, Insta, parce que je développe Insta en ce moment, il y a beaucoup de gens. J'adore Insta, c'est vrai, je sais pas si vous aimez aussi, mais j'aime beaucoup Insta. Tu nous manqueras pas pour ces 6 heures. Ah bah tu m'étonnes, hein. Ah tu m'étonnes. Non mais ouais, ça va être trop bien. Eh, ça va être trop... Merci Pingu pour les liens. Mais ça va être sympa, ça va être super, vous allez voir l'anniversaire, ça va être trop cool. Moi aussi, j'adore Insta. Bah, faire confiance sur Insta, c'est pas évident non plus. Hein. Ouh là là ! Entre les vraies photos, les fausses photos, les vendeurs de rêves, eh, c'est pas évident non plus. Hein. Parce que Insta, c'est aussi un monde... tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Hein. Tu peux vraiment... tu peux vraiment te faire avoir sur Insta. C'est pas évident. Hein. Salut, comment ça va, Ninja ? Et avec l'anonymat aussi, ça aide pas. Ouais, c'est trop bien ! Ça va être trop bien ! Ah, t'aimes bien aussi Insta, Natachat. Ouais, j'adore aussi, moi. Je passe ma vie en story. Ouais, ça va être bien, ça va être énorme, j'espère. Mais j'espère. J'espère que ça va être bien. C'est trop cool. Alors, moi, il y a des gens même qui prennent des photos de moi et qui les mettent en photo de profil. N'est-ce pas, Jean-Patrick? N'est-ce pas? Non, après il faut garder. Il faut... Oui, mais c'est important de garder l'anonymat. Hein. Question de confiance aussi. Sur Insta, les gens vendent du rêve. Faut faire attention à ne pas se laisser leurrer. Sinon, t'as l'impression que ta vie est pourrie. Ben oui, mais alors moi j'ai pas ce Insta là. Mais il y en a. Hein. Quand, vous savez, quand vous allez dans la dans le fil d'actualité là. Dans le truc là de dans le fil d'actualité, il y a toujours des photos de dingue, des beaux voyages, des beaux trucs, des belles meufs, des beaux mecs, des pièces gaming incroyables. Et toi, tu regardes tes photos, tu dis bon bah d'accord, ouais, ça peut créer un complexe carrément. Oui, ça va nickel Ninja, ça va super. Et c'est pas évident d'accorder la confiance sur Insta. Tu joues pas? Si, là je joue au jeu de la vie. Ça brosse, Théo. Oui, bah oui, moi c'est pour ça que je follow que des gens. Je choisis mes followers. Y a plein de gens entre vous que je ne follow pas parce que, pas que vous m'intéressiez pas, ou alors vous m'intéressez pas sur Insta. Vous m'intéressez ailleurs, votre contenu m'intéresse pas. Moi je sélectionne, hein. Y a des gens que j'apprécie discuter sur, sur Discord ou j'en sais rien, sur ici sur Twitch. Genre y a des streamers, j'adore leur live. Twitch, je vais les suivre sur Twitch, mais je n'irai pas les suivre sur Insta, parce que du coup leur Insta m'intéresse pas. Vous voyez, enfin et puis c'est pas grave, c'est ok hein, carrément. Bah c'est ça. Du coup faut vraiment sélectionner les personnes que vous followez. Non, j'ai pas envie de jouer, maman. Merci, bye bye. Bah oui, non mais, et la confiance comme d'hab, hein. Pas évident. Mais vous faites confiance facilement aux gens? Vous faites confiance facilement? Oui ou non? Et même si vous faites confiance facilement, c'est pas un défaut hein, de faire confiance facilement. Hein. Sachez-le, hein, ce n'est pas un défaut. Hein. c'est même très bien. Hein. Voilà. Hyper difficilement. Je comprends. Mais n'ayez pas honte de faire confiance, hein, les amis. Hein. C'est très bien de faire confiance. Au contraire. Crystal qui est toujours hors sujet. T'as vraiment envie de savoir mon pire film? C'est Blanche-Neige et les sept nains. Mais c'est bien, mais... faire confiance beaucoup trop vite. En fait, ce qui me dérange, c'est le beaucoup trop. Non! Tu fais confiance, c'est bien, Pikmin. C'est pas un défaut de faire confiance trop rapidement. C'est très bien de faire confiance. Il faut toujours faire confiance. C'est comme ça que vous allez créer des chouettes relations. Même si elles vont durer que 6 mois, et ben pendant ces 6 mois, vous allez adorer ces relations. Vous voyez? Faut voir ça comme ça. Et puis si les personnes s'en vont, ben elles sont parties.
Bah, en fait, le truc, c'est... c'est pas évident de savoir qui sont les vrais et pas. Dans la vie... Qu'est-ce qu'a écrit ça? One Amy. Ouais, mais ça, tu peux pas le savoir, Pikmin. Tu vois? En soi. Moi aussi, j'ai fait confiance à des gens qu'il fallait pas dans ma vie. Mais je regrette pas de l'avoir fait. Parce que sur le moment, j'ai adoré passer du temps avec eux. C'était trop bien. Enfin, je veux dire, je vais pas chasser tous les bons moments parce qu'à la fin, c'est arrêté. Merci Dali. Merci, le 8 mois, merci à toi. C'est adorable. Mais non, faut pas regretter de faire confiance aux gens. Une fois, j'ai fait confiance à mon chat et hop, coup de griffe sur les boules. Ouais, là, il fallait pas faire confiance. Non, sauf aux chats. Les chats, on ne fait pas confiance. Non, pas les chats. Et surtout, la question, c'est... comment c'est possible? Il y a un moment, mais à Franck, c'est pas possible. Et je vous jure. Est-ce qu'il faut faire confiance aux animaux? Je fais entièrement confiance aux animaux, plus qu'aux humains. Bien sûr, les animaux, surtout les chiens. Les chiens, ça ne peut pas te tromper. Un chat, ça s'en bat les couilles. Un chat, tant... On va employer les termes. Un chat, tant qu'il a sa bouffe, tant qu'il peut pisser, faire ses griffes, se balader, vivre sa vie, dormir, il s'en carre le cul de votre gueule. Il vous aimera, il vous fera des câlins, bien sûr. Mais faire confiance à un chien, c'est... Autrement, j'adore mon chat. J'adore mon chat. Mon chat, je sais. Mais demain, ce sera un robot à sa place qui lui donnera à bouffer. Ce serait la même. Bien sûr. Bisous, Nanook. Mais la différence... Moi, j'ai vu. Hein, moi, j'étais très team chat. Je le suis toujours. Moi, je suis team animaux à la base. J'aime trop les animaux. Je pense que si tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les humains. Et j'étais pas spécialement très emballé par les chiens. Et Cricri voulait absolument un chien. Moi, depuis que je suis avec Cricri, il m'a toujours dit je veux un chien. Donc plus de 10 ans quand même à se taper je veux un chien. Et on m'a toujours dit dans mon entourage, salut Nefiming. On m'a toujours dit, salut Kenneth, ça va très bien et toi? On m'a toujours dit, tu vas voir, l'amour d'un chien par rapport à un chat, ça n'a rien à voir. C'est le chien t'aimera d'une manière inconsidéré, ça n'a rien à voir avec un chat. Ouais, bon, ouais, si tu dis, allez, tes fils, ça, j'en rajoute. Eh ben, non, ils ont carrément raison. C'est la confiance que te donne un chien. La confiance que te donne un chien. Tu es tout pour le chien. Tu es tout pour le chien. Ça veut dire que c'est toi qui gères sa vie. Tu gères ses promenades, tu gères sa bouffe, tu gères son comportement. Ton comportement va avoir un impact sur elle, sur ce qu'elle ressent. Tu gères tout, toutes ses émotions, tout. Parce qu'un chien, c'est pas juste tu fais une promenade le matin, le soir et c'est tout, et puis elle attend. Non, faut jouer avec elle, faut l'entretenir, faut lui acheter de la bonne nourriture. C'est un être humain à part entière. Et la confiance que te donne un chien, mais c'est juste incroyable. Les poissons! Bah les poissons, je pense que c'est des poissons. Les poissons, ils sont mignons, mais ils sont un petit peu cons quand même. Ça va et toi, Charlotte? Non, mais on va dire les termes. Les poissons, ils sont bien mignons. Voilà, mais... bon. T'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de neurones hein, là-dedans. Ils sont mignons, mais ils sont... C'est pas les plus fut-fut des animaux, quoi. Eh, c'est quoi votre animal préféré qui n'a rien à voir avec le thème de la soirée? Mais c'est quoi votre animal préféré? Ouais, ça va super, merci beaucoup. Oh, les tortues, c'est trop mignon. J'adore. Salut Elisa. Salut Gray. J'adore. Live Joy Setting, c'est la première fois? Ouais, là, on est sur Radio Flavien. La Radio Flavien, c'est que les gens peuvent venir. C'est un concept que j'ai créé avec un petit logo made by Constance. Et en gros, la Radio Flavien, c'est que les gens, s'ils veulent intervenir, ils peuvent venir en vocal et nous raconter une anecdote, un truc. Là, par exemple, là, on parle des animaux.
Si quelqu'un veut venir absolument et nous raconter son animal préféré, il a juste à mentionner un modo et hop, il vient sur la radio Flavien. Ça fait plaisir. Les pingouins, le gnou. Oh, c'est original. Le gnou, les chats. Ah, les hérissons, j'adore ça. Oh, j'adore. Les hérissons, j'adore ça. Le dauphin, le chat, les chiens. Sinon, chat, chien, le cheval. J'adore le cheval aussi. Ouais. Les hérissons, j'adore. J'aime trop. Les rats, c'est original. Moi aussi, je suis team animaux. Je les aime tellement que je les mange plus. À part les poissons, j'en ai rien à branler. Le loup. Ah oui, trop bien. Salut Cam. C'est agréable, hein, les live chatting, hein, bien sûr. De discuter, ça fait plaisir. Les souris. Bah moi, j'avais enfin, ma soeur avait un rat. C'était très sympa d'avoir un rat à la maison. Les chiens, bien sûr. Ah, les renards. Mouah. Comme dans Breath of the Wild. Je les aime beaucoup aussi. Pour les alpagas, ouais, ils sont choux, j'adore. Les loutres, j'aime bien aussi. Bah, c'est sympa la radio Flavien. Moi, j'adore. Le soir, j'adore. Juste, tu débranches, tu parles, tu discutes de tout et de rien. La semaine dernière, on a fait une spéciale Mario. C'était génial. Il y a toujours du monde en plus. Moi, je suis trop content. J'adore. Je suis reconnaissant de malade. Mon frère avait un rat quand on était ado. Le rat a bouffé mes fringues. Sympa! Oh, les koalas! Oh là 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 là. Les koalas, c'est tellement beau, je suis d'accord. T'aimes le renard pour les manger? Dans le jeu, oui. Sinon, en vrai, je mange pas de viande. Tu sais, moi, j'aime les animaux, mais je les mange pas. Les kangourous! Oh là là, c'est trop mignon. Genre, par contre, en revanche, il y a des animaux. Lesquels je sais que ils ont une mauvaise image et il faut pas leur faire confiance. C'est les requins. Les requins. Je sais que c'est une mauvaise image, les requins. Que les requins ne vont pas te bouffer parce qu'ils voient ta guibole. Non. Mais les requins, je serais pas très chaud à en rencontrer un, quoi. Parce qu'ils ont une mauvaise image depuis le film Les Dents de la Mer. On en a fait des prédateurs comme si c'était hyper... Ça reste dangereux, bien sûr, hein, un requin, tu vas pas taper la bise à un requin. Mais ils sont pas si dangereux que ça. Et malheureusement, avec les films d'horreur, Les Dents de la Mer, et ben t'as une baisse de confiance, quoi. Hein? Les rongeurs, ouais, ça marche. Comme les hamsters et tout, ouais. Oui, mais c'est ça, que ce... Donc, ils sont pas si méchants que ça, les requins. Ou... J'ai un autre exemple dans le monde de Nemo, le requin là, pareil. Les requins, ils ont un rôle de super méchant, alors que finalement, ils sont pas si méchants que ça. Hein. Mais pour revenir sur le, merci pour les cadeaux, les roses, merci Fred pour les roses sur TikTok. Mais pour revenir sur la confiance, eux, je leur ferai pas confiance. En revanche, un insecte où j'ai accordé ma confiance de plus en plus, c'est les araignées. Les araignées. Je n'ai plus peur. Avant, j'avais 12 ans, 13 ans, je voyais une araignée, mais je flippais ma race. Maintenant, je vois une araignée, j'ai plus aucun problème. Moi, je vais en date avec un requin tous les jours et tout va bien. Bien sûr! Bien sûr! Mais c'est ça! Mais surtout, ça n'a aucun rapport avec le sujet ni filming. Ouais, les dauphins, mais ils sont horribles. En plus, c'est vrai que c'est hyper hypocrite avec eux. Parce que, les dauphins, ils ont un rôle de gentil. On leur a fait un rôle super gentil, trop mignon, les dauphins. Alors que c'est des vrais bitches des mers, hein. Bah, j'ai pas de technique pour aimer les araignées, mais je m'y suis habitué. Je sais pas comment vous dire, mais je me suis habitué aux araignées. Et en fait, j'ai proposé un compte TikTok hier, j'ai plus la personne, je crois que c'est... j'ai plus son compte à la fille qui a un compte TikTok incroyable, qui elle a des petites araignées de compagnie,
C'est Punchin, Punchkin, Punchkin, je ne sais plus. Bref, et elle va vous aider un petit peu à vous donner une autre image de l'araignée. On en a parlé hier justement au live Animal Crossing. Merci Emily, t'assure. Merci. Chachou Pumpkin. Ben, n'hésitez pas à aller la voir. Et son compte, vous allez voir que ces araignées, elles sont toutes mignonnes. Mais ouais, en fait, elles vont pas forcément vous piquer. Il y a des araignées, mais elles s'en battent de vous. Vous savez qu'il y a des... les araignées, en général, elles ont plus peur de vous que vous, vous avez peur d'elles. Hein. Nous aussi, Ninja prend place. Mais voilà. Hein, On a une certaine phase de confiance, quoi. Hein. Ouais, c'est bien d'être flexible, bien sûr, sur les sujets de discussion. Mais là, c'est pas le sujet, Nipfiming. On fait plein de thèmes différents et là, on est sur la confiance. Non, et puis, on va pas parler de Zelda ce soir. J'ai une anecdote sur les araignées. Dali, tu veux passer à la radio, Flavien? Ça peut être ton moment. Si tu veux nous raconter. Faut pas hésiter, hein, c'est fait pour ça la soirée. Hein. Faut pas hésiter. Je vois une araignée, c'est direction la chambre de mes parents. Oh, je suis mort. Je comprends. Hein. Je comprends. La vérité, moi, au départ, j'avais du mal. L'animal le plus mortel pour moi, c'est le moustique. Ah, mais je les défonce. Moi, je les défonce. Aucun respect pour les moustiques. On m'en branle. Pas de soucis, tu sais, c'est pas la taille qui compte, Dali. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est très délicieuse. Alors, très bizarre d'envoyer ce vocal à ce moment-là précis. Cher Dali, je vais t'ajouter pour la radio Flavien. Tu vas nous raconter ta petite anecdote concernant, hop là, les araignées. Allez, vas-y, Dali, tu peux nous rejoindre. Tu viens quand tu veux. Attendez, j'ai perdu le chat. Voilà. N'hésitez pas. Il fait chaud. Salut, comment ça va, Dali? Ça va super. Tu vas bien? T'as la forme? Ouais, franchement, je pète la forme. Bon, ça me fatigue un peu tous ces médocs à cause de cette opération. Ouais. Mais on garde la pêche malgré tout. C'est ouais, important. Il faut garder le smile. Bah, bien content, bienvenue. Bonjour. Dans la radio Flavien, toi, tu sais, tu connais le concept, t'es déjà passé, il me semble, pour nous raconter une anecdote de café. Sur le café. Oui, m'en souviens bien. Eh ben écoute, t'as une petite anecdote sur les araignées et la confiance avec les araignées. Ouais, alors vas-y. Par contre, ça va un peu faire l'effet inverse, parce que pour le coup, je commence à les aimer, mais je vais raconter une anecdote qui va peut-être en traumatiser quelques-uns. Oh, on n'est plus à ça près, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, elle ne me concerne pas directement, elle concerne mon père. Et du coup, c'était il y a... Oh, j'avais à peu près 9 ans. Ouais. Et du coup, je suis partie en vacances en Espagne avec mon grand frère, ma mère et mon père. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, un soir... on décide d'aller se coucher. Mmh. Et le lendemain matin, il y a mon père qui a une sorte de petite boule, vraiment, enfin, petite boule, quoi, sur le ventre. Ok. Et du coup, il galère pas trop, il a un peu mal, mais il fait vas-y, c'est pas grave. Sans plus, quoi, une petite piqûre, ouais, voilà. Une petite boulinette, quoi. Ouais, voilà. Et puis, je dirais 2 jours après, ça a genre triplé de volume. Oh my god. Et du coup, mon père, il sent pas très bien. Il sent pas le truc et tout. Il commence à stresser. Nous, on stresse, mais genre, enfin, comme on est nous des enfants, on en entend pas trop parler. Oui, enfin, vous dites, bon, il stresse pas plus que ça, donc je vois pas pourquoi nous, on stresserait, quoi. Enfin, c'est ouais, c'est ça. Oui, sans plus, quoi. Ouais, voilà, et puis on essaye, enfin, mes parents essayent d'éviter de nous stresser pour rien et tout. Natacha, te fais ton malin, toi, t'as ça du ban. Vas-y. Et donc, je sais pas, je crois que c'était... Ah oui, c'était un jour après, il tombe dans les pommes, et... il tombe dans les pommes. Ouais, et du coup, on va à l'hôpital, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la boule, bon, je vais pas trop expliquer, parce que c'est un peu... Ah, vas-y, tu peux raconter, quoi, c'est un peu dégueulasse, vas-y, tu peux raconter. D'accord. Enfin, il y a du pu. Genre, c'est vraiment énorme. Je pense que c'est genre
sur son ventre, c'est un peu sur le côté droit. C'est quand même une grosse boule. Mm-hmm. Et au début, on pense à des trucs, genre on se dit, mais c'est bizarre, genre depuis quand il y a des boules qui se créent comme ça? On comprend pas trop. On décide d'aller du coup à l'hôpital. Ouais. Parce que là, vraiment, mon père, il se sent pas bien du tout, ça va pas du tout. Et du coup, on fait une échographie. Oui. Et en gros, on nous explique qu'il y a une araignée. Je ne sais pas comment c'est possible, il ne faudra pas me demander. T'inquiète. Il y a une araignée qui est rentrée dans son ventre et qui a pondu des œufs dans son ventre. Ouais, génial. Et du coup, bah, c'était pour ça que ça gonflait. Super. Et donc, par la suite de ce petit événement, mmh. Du coup, genre, on a... Enfin, ça, je vais pas expliquer ça, parce que bref... Oui, non, là, gros, là, on a bien compris que, voilà, là, oui, il s'était fait plaisir dans le ventre, là. Par la suite, ils ont gratté et tout, ça lui a fait très très mal, enfin... Mmh, bref. Quel plaisir. Il y a eu... Bon appétit, tous ceux qui mangent, bien sûr, bon appétit. Oui, oui, vraiment, bon appétit. Bon appétit. Waouh. Oui, oui. Donc, une sacrée expérience. C'est court, mais efficace. Oui. Voilà. C'est efficace, oui. Court, ça va. C'est, t'as été à l'essentiel. C'était sympa. Ouais, mais, ouais. Oui, alors, oui, là, du coup, t'as dû en traumatiser pas mal. Mais... Déjà, moi, j'ai eu très, très peur parce que... Bah, déjà, et pour ton père, enfin, du coup... Oui, oui, c'est ça. Déjà, normal. En fait, j'étais petit, donc en vrai, je m'en rendais pas compte, mais par la suite, quand on me racontait l'histoire, quand j'étais un peu plus grand, on va dire, ouais. Genre, c'était un peu bête, mais quand je dormais un peu la bouche ouverte, et je la fermais direct, je me disais, imagine, il y a une araignée, elle rentre, et après, elle va pondre des œufs dans mon corps, et c'est... Et du coup, cette anecdote, t'as pas cassé la confiance que tu peux accorder aux araignées? Bah, en fait, j'ai toujours eu peur des araignées. Ouais. Et récemment, en fait, j'ai une amie dans ma classe. En fait, il y avait genre, je sais pas, c'était une petite araignée, pas non plus toute petite, mais voilà. Oui. Et genre, j'ai vu l'araignée. Et tu sais, enfin, un peu drama queen, mais genre, j'ai crié, j'ai fait. Oui. Ah, il y a une araignée et tout. Et en fait, genre, enfin, c'est pas. Enfin, pas une amie bizarre dans ma classe, je peux pas dire ça, mais genre, en mode. Je lui parle rarement, personne lui parle vraiment. Oui. Et elle l'a pris dans la main, genre, en mode pour jouer avec sans elle. Sans pression, ouais. Elle a direct, totale confiance en l'araignée. Ouais, voilà. Et du coup, je l'ai regardée. Et en fait, genre, au final, je l'ai trouvée mignonne, genre... Bah oui. Et en fait, je me suis dit, en vrai, on stresse grave pour des choses qui, en soi... Bah... Genre, c'est pas l'apparence qui compte, quoi. Oui. C'est peut-être aussi dans... Dans la culture du cinéma et tout, en général, l'araignée, ouais, c'est associé à de l'horreur, aux maisons hantées, à Halloween. Enfin, c'est toujours des trucs. On met pas en avant des araignées mignonnes, ou alors c'est rare, je pense. Il doit y exister des araignées où l'araignée, elle est mignonne. Tu vois, c'est une question d'éducation. Ouais, et voilà, de... c'est ça. Évidemment. Et du coup, je l'ai genre moi-même pris dans la main. Ok. En fait, j'ai trouvé ça limite mignon. Bah oui. Et du coup, je me suis dit, bah à l'avenir, je les tuerai pas, genre. C'est je bien. Me suis dit, franchement, elles sont mignonnes. Et ben voilà comment Dali a accordé la confiance aux araignées. Et ben c'est beau. C'est beau. Merci beaucoup. Et peut-être que si tu te fais piquer par une araignée, tu deviendras Spider-Man. Oh, j'espère, wesh. Ça va sauver Paris et tout. On sait pas, on sait pas. Ah bah j'ai eu la même idée que Constance. Voilà, elle vient de je dire en même temps que moi. Ladybug, mais genre... Ladybug. Je vais sauver Paris de tout ça, là. Eh ben merci Dali pour ton passage et cette anecdote à Radio Flavien, un grand plaisir. Et à très bientôt, gros bisous. Gros bisous. Bye bye, merci Dali. Ah bah ouais, non mais c'est vrai que c'est pas évident hein, d'accorder la confiance aux humains, comme on disait, et aux animaux. Bravo Dali. Bravo Dali. Bravo Dali, bravo Dali. Bravo Dali, bravo Dali. Mais ouais. Vous voyez, si Dali a réussi à faire confiance aux araignées, pourquoi vous ne pourriez pas? Facile, hein? Facile. J'ai besoin de toi pour enlever toutes les fleurs de mon île. Tu vois pas que je suis un peu occupé, là? vous aimez trop passer du coq à Francis Lalanne, vous, ici, hein? Dali est trop fort, bien sûr. Oui, c'est très sympa en vrai, hein. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez interagir. Salut la Joe.
J'ai besoin d'aide pour enlever. Mais on a autre chose à faire, Maël, on parle. On joue pas Animal Crossing. Oh, expliquez-lui. Je vous jure. C'est pas vrai. Oh, la barbe. Le thème, c'est la confiance, Joe. On parlait de la confiance qu'on peut accorder aux humains. Et là, on parlait des animaux. La confiance que tu peux accorder à un chien. Ou alors là, Dali nous racontait une histoire. Une histoire avec les araignées. Malgré qu'il y ait eu une anecdote horrible avec les araignées, eh ben, il les trouve mignonnes maintenant. Je demandais aux gens, je me suis senti agressé. Ah, mais c'était le cas, Maël. On t'a agressé? Non, t'es totalement hors sujet et personne veut jouer Animal Crossing, on est en train de discuter, Maël. Merci à toi. C'est quoi votre pire film? Non, non, elle ne fait pas une cristal. Oh, c'est bon. Non, on parle de la confiance à accorder aux gens et tout, et aux animaux. La confiance que vous pouvez accorder aussi à une commu. Ah boy, hi girl. Voilà, donc par exemple ça, la confiance, on ne l'a pas, hein, envers une commu. Voilà, voilà, une confiance qui a bien envie de péter, apparemment. La confiance, exactement, ses intestins, ouais. Je comprends, Joe. Alors moi, c'est ce qu'on disait, je suis une porte, je suis devenu une porte aussi, enfin, je suis un humain, hein, en vrai. Mais je suis devenu hermétique. Il y a 6 mois, c'était pas du tout le cas. Mais je suis devenu hermétique. En revanche, ça va pas m'empêcher de refaire confiance aux gens. Tout ce qui est, les choses qui sont arrivées, je veux dire, il y a un moment, bon, c'est pas les mauvaises expériences qui vont faire que je vais m'arrêter, quoi. Je ferai toujours confiance aux gens. Les gens sont géniaux. Bonsoir la porte. Bonsoir. Et salut seul. Est-ce qu'on peut faire une petite dédicace? Ah, celle que poivre, que je vais voir à la Paris Games Week. Ça va être cool. J'ai très hâte de te rencontrer, mon cher Cell. J'ai des choses à te dire. J'ai reçu des messages et envoyé des emails et des SMS. J'espère que tu as la rêve. Ça va, Wan? Je joue pas, là, ça se voit, les gars. Tu joues à quoi, Léa? Concentre-toi, mets tes lunettes. Tu vois bien que je suis pas en train de jouer, là. Enfin, je suis en train de discuter. Je vous jure. Ça se voit, non, que je joue pas? Je joue dans une demi-heure. Je joue à Outlast, le DLC Whistleblower. Ça va être cool, ouais, ça va être cool. Le de rien, celle. Le thème, c'est la confiance. La confiance qu'on accorde aux gens. Est-ce qu'on peut réussir encore à faire confiance après des crasses? Est-ce qu'on peut faire confiance aux animaux? Est-ce qu'on peut faire confiance à ses parents, ses enfants? Faire confiance à une communauté? Faire confiance à son équipe? La confiance. Moi, la confiance, c'est la base. Moi, la confiance, je ferai toujours confiance. La confiance dans un couple, évidemment. Enfin, on n'en a pas parlé, mais si vous êtes en couple, vous faites confiance, je vous le souhaite. Moi, j'ai une confiance aveugle. Je pars du principe que... Je vais pas m'étaler sur ma vie privée amoureuse, ça ne regarde que moi. Donc, je vais focus ici, le sujet de la communauté. Moi, je fais confiance à tout le monde. Dans ma commu, dans mes modos, dans tout le monde. J'apporte la confiance pareil. En revanche, le jour où tu m'as baisé, sache que je ne te parlerai plus. Je ne t'adresserai plus la parole. Et tu n'existeras plus pour moi. Voilà, c'est que moi je veux. Moi je j'aimerais vivre dans un monde où tout est beau, où tout le monde réussit, où tout le monde arrive à atteindre ses objectifs. J'adorerais vivre dans un monde comme ça. Voilà, moi je serai le premier à vous donner tout ce que j'ai pour que vous réussissiez. En revanche, le jour où tu me baises, it's terminado. Je ne t'adresse plus la parole, tu n'existes plus, tu n'es plus qu'une porte. Voilà, c'est vrai, la flemme. Attendez, je remonte un message là parce que tout le monde dit qu'est-ce qu'il y a Joe là, qu'est-ce qu'elle a dit là, qu'est-ce qu'elle a dit Joe, qu'est-ce qu'elle a dit Joe, qu'est-ce qu'elle a dit. J'ai loupé le message de Joe. Mon ancienne meilleure amie a coupé les ponts avec moi en faisant une story visée sur Insta.
des personnes ne représentent plus des valeurs, alors maintenant c'est ciao. J'ai bien appris plus tard que j'étais la seule personne qui pouvait voir cette story. Oh, quelle grosse pétasse. C'est une grosse pétasse. Une grosse pétasse. Alors ça, c'est les gens qui font des stories visées. Quelle bande de pétasse. Salut Milendra. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit beaucoup pétasse alors qu'il est que 21h30. Mais je le droit un peu. Hein. Oh. Drama dans la villa. Il y a des tensions. Le jour où tu me trahis, je te fais 100 fois pire. Ah bah moi, pas du tout. Oh. Alors moi, non. Moi, je suis pas dans ce jeu-là, Pikmin. Je comprends totalement. J'entends bien. Hein. Moi, je ne donne plus l'énergie. Non. Terminé. Ça veut dire que... le jour où tu fais une crasse, le jour où tu baves sur moi, je vous en parlerai plus dans la vidéo YouTube. Là, demain, une vidéo YouTube à 18h qui n'a rien à voir. Je vais vous tourner la vidéo parce que là, je vais marquer un bilan avec les 1 an de Twitch et j'ai vraiment envie de vous parler de sujets importants qui me sont arrivés pendant cette année. Autant la confiance, je l'accorde sur le moment, l'instant. Après, si t'es plus dans ma vie, t'es plus dans mon horizon. Tu n'existes plus. Malheureusement, tu pourras pas empêcher les gens de parler. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est la vie. On s'en fout. C'est ça. C'est vrai. Hein. Tu pourras pas les empêcher de toute façon. Voilà, exactement. Qui pisse face au vent se rince les dents, tôt ou tard. Et puis c'est tellement plaisant. On va pas se pito. Si jamais vous vous lancez sur un projet. Que vous réussissez. Ne bloquez pas les gens. Ne les bloquez pas. Non. Laissez-les. Regardez votre réussite. Laissez-les. Ils vont rager. Il n'y a pas besoin de se mettre dans le mal. Pour eux. Laissez-les regarder. Ne les bloquez pas. Non. Laissez-les. C'est la vie. Les gens vont être jaloux de vous. Et puis c'est tout. C'est comme ça. Laissez-les regarder comment vous réussissez. Ça les fera tellement rager. Vraiment. Quand j'étais ado, j'en souffrais beaucoup. Je faisais tout pour que les gens reviennent vers moi ou pour faire plaisir. Ça me bouffait vraiment. Maintenant, je m'en tape le coquillard. Eh ben, bravo. Bah ouais, hein, je suis totalement d'accord. Hein. En vrai, la confiance, pour moi, elle s'accorde pas forcément avec le temps. C'est clair. Et je considère qu'on peut pas avoir une confiance aveugle absolue, même pour la pensée la plus chère à notre cœur. C'est ton droit. C'est ton avis, Nifiming. On respecte. Comme a dit Cardi B, merci à mes haters de faire en sorte que ma carrière existe. Mais tellement. En soi, c'est vrai. Les premiers qui vont cliquer, c'est ceux qui vont vous envier. C'est totalement vrai. Elle a raison, la Cardi B. Elle a raison. Elle a raison. Je veux dire, les rageux vont utiliser votre lumière. Pour leur bien à eux. Mais ils vont rager. Ils vont ronger. Ils vont ronger à... Donc, c'est pas grave en soi. Laissez-les continuer à briller. Continuez à briller. Ignorez-les. Ce qui n'est pas évident. Et vous verrez que... C'est tellement satisfaisant. Flavia, j'ai bien une anecdote croustillante. Ah bah vas-y Natacha, j'ai pas vu, pardon. Tu veux passer à la radio, Flavia? N'hésite pas à me mentionner, Natacha, pour que je vois bien mon pseudo. Parce qu'avec la tonne de messages qui passent, je vois pas forcément, Natacha. En vrai, j'ai bloqué full personne que je connais réel de mon compte pro. Je suis mal à l'aise avec l'image que je renvoie. Je préfère que ça se limite à des clients que je connaisse pas, surtout que si je fais des facecam. Mais totalement, mais t'as grave raison, Constance. Hein. Là, c'est une confiance en soi. Là, c'est confiance en soi et ça reste... et c'est ultra difficile d'avoir confiance en soi. C'est ultra... Ouais, alors je termine ce point-là, Natacha, et après, après tu passes. C'est pas évident d'avoir confiance en soi. C'est un travail à faire sur le long terme. Un jour, t'auras tellement confiance en toi, Constance. Tu vas d'être ça. En plus, tu pourrais... c'est pas parce que je t'apprécie, Inata, que je vais te dire ça. Mais vu ton contenu... Enfin, montre aux gens que tu sais faire. Je veux dire, montre... Je veux dire, il y a quoi ils vont te dire quoi? Ils vont te dire quoi au pire? Ils vont te dire, oh ouais, bah celle-là, elle parle des vinyles. Ah bah celle-là, elle écoute de la musique. Ah bah super. On s'en branle. Eh moi, si tu savais, regarde toutes les dingueries que je dis tous les jours. Regarde tous les trucs que je dis.
ma famille, il y a tous mes proches, imagine-toi, il y a même des gens du lycée qui m'ont... Jennifer et moi, on passe crème, c'est bon. Exactement, il y a même des gens du lycée qui m'ont reconnu, qui m'ont retrouvé, ils m'ont dit, putain, mais t'as grave raison. Et si des gens n'aiment pas ce que tu fais, les gens vont dire, oh, bah elle est moche, bah il est con, oh bah c'est un méchant, allez machin. Tu pourras pas empêcher, même si tu bloques les gens, même si tu les bloques, il y a un moment, c'est tout. Tu pourras rien y faire, hein, les gens te retrouveront tôt ou tard. Hein. Ah, pour le graphisme, pareil, ça marche dans le même... c'est le même exemple. Je veux dire, dans tous les cas, tu pourras pas te créer ton univers avec que des gens que tu veux... Qui te voient, enfin c'est impossible. Surtout si t'as un boulot comme moi lié à l'image. C'est impossible. Carrément. Oui, on va faire passer Natacha à la radio Flavia qui va nous raconter une petite anecdote. Merci encore hein, de participer. J'adore ce rendez-vous, je suis content, vous êtes toujours très nombreux à venir participer. Alors je sais pas si c'est ce pseudo là parce que je suis en mode Discord là, en mode streamer, alors je vois pas les pseudos entièrement. J'espère que c'est celui-là. Je suis pas sûr. Essaie de te connecter. Dis-moi si c'est bon ou pas pour toi. J'espère. Installe-toi, tu peux venir sur le coin VIP. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, la confiance en soi, c'est pas évident. Hein. Ça marche, Val. Pas de problème. C'est pas évident. Mais c'est ça, faut s'amuser. Hein. Faut s'amuser. Vous pourrez toujours... Ah, c'est pas toi que j'ai accepté, je vois pas, alors je vois pas les pseudos. C'est parce que je suis en train de streamer, je vois pas les pseudos entièrement. Donc je vois pas qui c'est là. C'est qui que j'ai ajouté? C'est pas toi, Nathilange? C'est pas toi? Tu peux pas te connecter? Ah, voilà, c'est bon. Ah, pardon. Let's go! Je crois que tu peux venir maintenant. Je crois que c'est bon. Tu peux te connecter normalement. Voilà. Salut Diego! C'est bon? Let's go, super. Ouais, c'est à 22h, on va faire le DLC de Outlast. Là, on parle de la confiance qu'on accorde aux gens, en soi, c'est beau. Bisous Léa! Et salut Natacha, welcome dans la radio Fabien. La radio qui te veut bien. Ça va? Ça va et toi? Super, ravi. Oula, j'en ai fait pousser mon bouchon de stylo bic. Oui, ça va super. Ravi de te retrouver, je crois que t'étais déjà venu dans les... Dans la toute première Radio Flavia, il me semble. C'est fortement possible. Ouais, il me semble. Ça me parle. Comment tu vas? Est-ce que t'as la forme? Ah bah toujours. Ça, super. Bon bah nickel. Prends place déjà, installe-toi. Et surtout, quelle est ta petite anecdote? T'as une anecdote à raconter sur la confiance, c'est ça? Vas-y, dis-nous tout. Exactement. Dis-nous tout. Qui a résulté par une trahison, d'ailleurs. D'où l'effet croustillant. Forcément génial. Toujours des gens pour foutre la merde dans nos vies. Vas-y, dis-nous. Alors, donc, l'histoire commence. Donc, j'ai rencontré cette personne. On va appeler. Oula, t'es passé sous un tunnel, Natacha. Ah. Vas-y, yes. Mayday. Natacha, est-ce que vous me recevez? Oui, je te reçois. Ah, attendez, je vais tourner le bouton. Je vous entends très très mal. Est-ce que vous n'auriez pas mis le micro dans votre cul? Attendez. Peggy 18. 1, 2, Mayday. Natacha. C'est bon. Ah, vas-y, c'est bon. Dis-nous. Donc, j'ai rencontré cette personne que je vais appeler Mante Religieuse. Ok, Mante Religieuse, c'est original. D'accord. Oui, bon, pourquoi pas. On aime bien, j'aime bien. Non, mais j'aime bien la prise de risque, j'aime bien le surnom. Alors, donc, Mante Religieuse, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Donc, je l'ai rencontré à l'époque où je travaillais à McDonald's. Oh. C'était une époque où les nouveaux étaient très 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 mal vus. C'était vraiment les anciens contre les nouveaux. Donc, les nouveaux étaient très solidaires entre nous. Bah, évidemment, les anciens, ils ont peur que vous preniez leur place, que vous êtes plus frais, vous êtes nouveau, etc. Ça fait peur. Concurrence, comme d'hab. Voilà, ça fout le seum, hein, c'est humain. Exactement. Mm-hmm. Donc, tout de suite, on s'est liés d'amitié de fou. Entre nouveaux, du coup. Entre nouveaux, exactement. Ouais. Ouais. Donc avec Mante Religieuse, c'était pas spécial par rapport aux autres. Je la considérais pas plus que les autres, quoi, finalement.
Non, mais bon, tu t'es attaché à elle quand même, du coup. Voilà. Tu... Voilà, donc ok. Au final, on s'est tous barrés parce que c'était tout. Le métier était un peu compliqué. Voilà. Oula, Mayday, c'est encore bugué. Est-ce que tu es encore dans le McDonald's? Vas-y, à toi. Donc, voilà. Là, au fil du temps, c'est pas, enfin, les aléas de la vie, quoi. Enfin, on était tous un peu repartis de notre éloigné, côté. Éloigné, chacun fait son petit chemin, bien sûr. Voilà. Donc, j'étais vraiment très proche de notre religieuse. Ouais. Vraiment une très belle amitié. Ouais. Elle vivait des périodes pas très faciles, du coup, j'étais toujours là pour elle. Elle m'appelait des fois à 4h du mat, le lendemain, je vais me réveiller à 6h à cause d'un examen. Mais je répondais, j'étais vraiment là pour elle. T'étais très très vraiment... très accessible pour cette personne. Voilà, vraiment, t'étais ma meilleure amie et j'aurais tout donné pour elle, quoi. Super, ok, ça marche. J'ai l'impression que c'est un peu triste là ton histoire, là, vu le ton que t'emploies. Ouais, en vrai, ça fait... c'est chiant quand même. Bah je comprends, vas-y. N'hésite pas. Donc, en début d'année, on s'était prévu d'aller... sur l'île pour faire du shopping. Okay. Donc il y avait elle, moi, ma meilleure amie et une amie en commun. Ouais. L'amie en commun ne pouvait pas venir parce que manque de thunes. Okay. On comprend totalement et gros soutien à tous les étudiants. Ouais. Donc la mante religieuse a demandé si elle pouvait faire venir son copain. Ok. Du coup, bah, vas-y, ramène-le, de toute façon, plus on est de fous, plus on est. Bah, oui, totalement, une personne en plus ou en moins, en soi, bon. Ouais. Bon, surtout que son copain, il conduisait, donc c'était tout bénef, finalement. Ah, c'est lui qui avait le permis. Bon, bah, vas-y, oui, ramène ton copain, avec grand plaisir, ramène ton copain, pas de problème, moi. Ah, mais clairement. Totalement. Ça sert, hein, on va pas se mentir. Ah, bah, oui. Bien sûr, ouais. Et... Attends, je vais essayer de te reconnecter. Attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, je tourne le bouton. Attends, bouge pas. MID. C'est bon. C'est bon, je crois que c'est bon. Vas-y. Ok, donc ce jour-là, elle s'est mise. Oula, attends, il y a encore un problème de radio. Il y a un problème de radio chez toi, je crois, là. Attends, je vais peut-être. Vas-y, c'est bon. Et là, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon. J'ai changé de canal. Ok. Donc, ce jour-là où on est parti faire du shopping, elle s'est mise à développer une jalousie extrême envers ma meilleure amie. D'accord. Parce qu'il y avait son mec ? Non, juste parce que ben elle calculait que son mec et moi je enfin finalement du coup je me rabattais entre guillemets sur ma meilleure amie. Alors attends, d'accord, elle a fait une jalousie pour toi parce que du coup toi t'étais plus proche de l'autre que d'elle, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord, ouais. Donc ce jour-là, voilà, on se dit on reste une heure de toute façon, après ma meilleure amie elle devait aller travailler, donc rendez-vous à 16h devant tel magasin et après, on rentre. Ok. Sauf que à 16h, on est arrivé avec ma meilleure amie au point de rendez-vous et toujours pas eux. Bon, ça peut arriver, se trouve, ils sont bloqués, il y a du monde en caisse, on comprend. Retard, oui, mais carrément. Pas tardé. Ça peut arriver. Un rush dans le boulot, bon, on les attend un peu plus. Voilà, exactement. Donc, 10 minutes plus tard, ils étaient toujours pas là. Ok. Donc là, on trouve ça louche, surtout que bon, on avait prévu pile le temps pour que ma meilleure amie ait le temps d'aller au travail, donc là, c'était foutu pour elle. Elle allait arriver en retard, quoi qu'il arrive. Ouais. Cassez-le. Et un quart d'heure plus tard, enfin, en gros, 5 minutes après les 10 minutes de retard, ils sont arrivés. Ils ont dit, bon, on peut y aller. Ok, bon, on y va. Pas d'excuses, de rien, c'est chacal. Pas d'excuses, moi, j'ai défense. Pas d'excuses, bon, mais c'est sûr, mais attendre comme un galérien 10-15 minutes sans excuses, sans rien, moi je défonce. À ce moment-là, on avait clairement envie de le faire, mais bon, on avait la flemme de rentrer en train, quoi. Je comprends. Donc on a pris sur nous, mais... Totalement, mais je comprends, bien sûr. Donc on se dirige vers le parking et eux...
enfin surtout mente religieuse, s'amuser du coup à aller faire d'autres boutiques sur le chemin, ouais, histoire de me faire perdre un max de temps. Ok. Pour que du coup ma meilleure amie arrive en retard au travail. Ouais. On disait rien parce que encore une fois flemme de prendre le train. Putain mais c'est un truc de baiser. Les gens ils sont carrément méchants, hein, c'est dingue. Ouais. Du coup vous étiez obligé de subir un peu la situation quoi. Voilà. Ouais. Après ben, le chemin du retour, ambiance ultra glaciale, bah oui, dans la voiture. Évidemment. Aïe, combien de temps de route? 1 heure. Oh, 1 heure dans la bagnole avec une ambiance pareille. Oh ben je. Ouais, t'ouvres les fenêtres, tu prends l'air pendant 1 heure. Ouais, c'est compliqué, hein. Au point que ma meilleure amie, on se parlait ensemble, mais par message. Ah oui, vous communiquez même pas dans la bagnole. Ah non, pas du tout. Aïe, il y a un moment, il y a mentre les deux qui s'est retournée vers moi, elle a fait « Ça va ?» Ouais. Et moi, ouais. Et c'est tout ce qu'il y a eu en 1 heure de trajet. Ah, c'est chaud. Alors moi, alors du coup, je pense que selon mon caractère là, si j'étais toi et que j'étais dans la bagnole, je suppose que vous étiez à l'arrière et puis eux, ils étaient devant. Oui, c'est ça. Je taperais ma meilleure vie à l'arrière de la bagnole. Je parlerai avec la personne à côté comme si ne rien n'était parce que bah, pourquoi vous allez subir des comportements toxiques alors que vous êtes dans une bagnole. Alors certes c'est pas la vôtre, mais vous allez pas subir une ambiance comme ça, tu vois. Mais c'est horrible, hein, c'est pas évident, hein. T'es dedans, tu dis bon ok, super, allez vite qu'on rentre. Oh, moi je taperai ma meilleure discussion. Je suis un peu une fouinasse, en plus je suis un petit con. Donc là, clairement, moi je serais derrière la voiture. Il y a des gens devant qui me cassent les couilles et ils veulent faire leur loi là. Ah bon? Eh ben tu vas voir, moi je vais taper mes meilleures discussions avec la personne d'à côté. Je me fais plaisir. Ah mais on aurait aimé, mais avec la musique qui gueulait dans la voiture. Ah oui, mais non mais après c'est du cas par cas, hein. C'est totalement du cas par cas, hein. C'est pas évident. Du coup, bah, par message, on a prévu que ma meilleure amie me raccompagne chez moi et qu'après elle se casse au travail. Quel enfer. Alors que j'avais prévu de rester avec mentre religieuse et son mec après. Oh là, t'as du courage. Ah ouais, non, mais là, elle m'avait bien saoulé, hein. Ah ouais. Et du coup, vous avez arrêté de vous parler? Enfin, vous vous parlez plus aujourd'hui? Avec mentre religieuse? Non, non. Ok. D'ailleurs, du coup, pour finir l'histoire. Ouais. Arrivé dans ma ville... Je descends de la voiture, je me barre avec ma meilleure amie, clairement, plus envie de rester avec l'autre. Forcément. Logique. Et là, je reçois un message vocal qui durait 5 minutes. Et c'était 5 minutes où je m'en prenais plein la gueule. Vraiment, la menthe religieuse, elle s'est déchaînée. Alors en plus, c'était, je suppose, à l'époque où tu pouvais pas aller en accéléré. Non, évidemment. Quel enfer. Moi, les vocaux qui durent plus de 5 minutes, j'en reçois beaucoup par jour. Pas 5 minutes forcément, mais des vocaux où les gens qui parlent et qui te font des étapes et t'en envoient plusieurs, alors qu'ils peuvent en faire en 1. Moi, je mets en accéléré, je mets en x2. J'ai pas le temps, il faut aller à l'essentiel. Alors toi, 5 minutes à l'époque, tu dois écouter 5 minutes. Une personne qui veut clairement te descendre, compliqué, hein. Ah bah oui, clairement. Et est-ce qu'on peut savoir ce que ça disait, ce vocal? En gros, que je m'inventais une vie pour être au centre de l'attention des gens. Ok. Que j'ai jamais été là pour elle. Oh là là. Et que je suis le pire ami qui soit. Eh ben c'est bien. Ce qui de bien évidemment plusieurs insultes. Ce qui t'a fait mal, du coup. Oui. Bah évidemment. Bon, c'est... Pas forcément sur le coup. Sur le coup, ça m'a bien saoulé. J'ai répondu à un vocal de 30 secondes. C'est après. Ça après, c'est quand t'es posé, voilà, c'est quand ça. Tu rumines, quand t'es chez toi, tu te dis, est-ce qu'elle a peut-être raison? Peut-être tu t'es dit, est-ce qu'elle a raison ou pas? Est-ce que t'as douté de toi après ce vocal? Ah bah clairement. Voilà. Et après, vrai. Pour moi, c'était... Bah c'est vraiment qu'une petite pétasse, voilà, parce qu'il faut pas douter de toi. Ouais. Elle a réussi. La menthe religieuse, là, bah tu l'écrases avec ta bottine et on n'en parle plus. Il faut jamais douter de toi, c'est pas évident, hein. Je sais exactement ce que t'as traversé. Je l'ai traversé cette année avec des gens dont je citerai pas le nom. T'es obligé de douter de toi parce que même si la vie des gens parfois ça a de l'importance, surtout les personnes que tu considères. Et ça c'est ultra vrai. Surtout que c'était ta meilleure amie ou une amie en tout cas très proche de toi. Du coup tu prends son avis comme si c'était un truc véridique.
Genre, si elle te dit que t'es toxique, t'es forcément toxique. Si elle dit que t'es relou, t'es forcément relou. Alors que non, c'est pas vrai, Natacha, t'es pas forcément relou. C'est juste que, bah, sur le moment, elle a pas pu te sentir. Elle a voulu te dire les vérités parce qu'elle a été blessée dans son orgueil. Et bah, c'est tout. Et elle a voulu te le faire savoir et te faire du mal. Et c'est pas une amie. Parce que, bah, une amie, déjà, te dire les choses en vocal où ça dure 5 minutes. Voilà. Si c'était une amie, elle viendrait te les dire en face. Ou elle t'appellerait. Alors, une conversation, tu vois, de vive voix. Pas un vocal. Moi, je trouve que c'est un petit peu. Bon. Pas foufou, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, c'est sa tante qui me l'a dit. Puisque ma tante. Ta tante, c'est ma voisine. MDR, ben d'accord, allez. Mais, là, t'as plus aucun contact avec, avec ces gens. Non, mais je peux la croiser à tout moment vu que sa tante, c'est ma voisine. Eh ben, c'est à toi de briller, là. C'est ton moment. C'est ton moment. Ça veut dire que bah, si tu la croises, tu la croises. Quand tu sors de chez toi, ne sors pas en pyjama. Habille-toi tout le temps très bien. Bien coiffé, tête haute, tu bombes le torse. Et bah, quand elle va te croiser, elle va se dire: oh putain, mais. Attends, mais quand je l'ai laissé, il était comme ça et maintenant il est comme ça. Mais c'est waouh! Et voilà! Tu brilles et t'es heureux de toute façon là aujourd'hui. T'es bien là dans tes baskets. Ah bah, c'est clair. Bon bah voilà. T'as tout gagné, t'as rien perdu au change. Rien perdu au change. Bravo Natacha pour cette petite anecdote. Et doute pas de toi, hein, loulou, tu doutes pas de toi. Des gens, des gros connards, tu vas en croiser énormément sur ton chemin. Il y a des gens qui vont te salir, des gens qui vont faire en sorte de nuire à ta réputation, à ce que tu es et qui tu es. Donc ne doute jamais de toi et prends soin de toi. Merci à toi pour ton intervention. C'est une très belle anecdote. Bisous Natacha. Bisous. Bye bye. Ciao. Ah. Il a géré, hein. Bravo, GG Natachat, incroyable. On va terminer cette Radio Flavien avec notre c'était Val qui voulait passer, il me semble, hein, Val qui va passer à la Radio Flavien. Alors, et ensuite on passera pour la découverte du DLC de Outlast, évidemment. Val, Valentin, celui qui pousse de la fonte avec ses gros bras. Allez, il nous reste encore quelques minutes. Merci à vous en tout cas de suivre cette petite, Radio Flavien. J'espère que ça vous plaît et que ça vous change. C'est bien de parler des sujets importants comme ça, hein. C'est bien, il faut en parler de temps en temps. C'est très très cool. Merci à vous. Hein. Écoute Val, tu viens quand tu veux. Eh Val, il me faut une claque, je vole dans le mur. Hein. Eh, Val, il me fait... Je fais... Ah, la Team Rocket s'envole vers notre ciel. Non, mais totalement. Bon, merci, Cell. Ouais, ça fait quelques semaines que je fais ça. Ça fait quoi, là? Un mois et demi? On fait Radio Flavien. Et on adore. Là, on parle d'un sujet très sérieux, mais de base, on est amené à parler de plein de trucs. Et bonsoir, cher Val. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir Chat. Comment ça va Val? Ça va et toi? Je digère ma raclette. Oh bah dis donc, bah celui-là ça mange des raclettes, au calme, trop bien. La forme, oui. Tu vas bien? Bah oui, écoute, et toi? Il faut? Très bien, on est là, on est posé, hein, tiens, toi tu sais. Hein. Bah toujours la radio Flavien. Hein. Eh bien évidemment. Alors mon cher Val, je vais pas te demander de te dépêcher, mais Val essentiel. Non, t'inquiète. En gros, t'as une anecdote liée au sport, parce que tous ceux qui ne savent pas, Val est très 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 sportif, hein, c'est ça. Raconte-nous ce que tu fais au sport. De la musculation, on va dire à haut niveau, sans me jeter de fleurs. Ouais, mais oui, moi j'ai vu ton gabarit, je me suis dit, le mec, c'est pas ça, mais t'as la salle que tu vas tous les jours. Tu vas combien de temps à la salle par jour? Alors, quand c'est les cuisses, c'est 2 heures. Parce que c'est un très gros groupe musculaire. À peu près comme moi, ouais. Je suis à 1h30. Ouais. Et quand c'est les autres groupes, 1 heure. Ah, parce que t'appelles tes muscles des groupes? Oui, c'est des groupes musculaires. Ah, d'accord. Pardon, non, mais excuse-moi, parce que moi, je ne connais pas assez. D'accord, des groupes. Alors, groupe A, groupe B, groupe C. D'accord, ça marche, pas de problème. Alors, t'as une anecdote à nous raconter liée à la salle de sport. Oui, j'avais pareil comme Natacha. Ah non. Ok. Allez, vas-y, dis-nous tout. Allô Val? Allô? Ah, mes écouteurs, ils ont lâché. C'est bon. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, vas-y.
Alors, on va, comme je disais, on va l'appeler Mégado. Mégado, voilà. La personne. Voilà. D'accord, Mégado. C'était ma première salle de sport et tout. Vas-y. Donc moi, j'avais commencé à comprendre les bases de la nutrition et des exercices. Ok. J'avais bien assimilé le tout, j'ai bien progressé. Okay. Et quand tu progresses, tu reçois des compliments de tes potes et des coachs et tout. Lui n'avait pas compris. Le soutien du départ, c'est ça quand tu te lances. Énormément de soutien quand tu te lances. Et pour que tu comprennes, on va dire Mégado, c'était quelqu'un. Je pouvais pas vivre sans lui, mais je le consultais tout le temps, quoi. Quand j'allais aux toilettes, quel papier toilette je vais me servir, tu vois. Ok, t'étais très lié à cette personne. Voilà, je l'ai connu au lycée et Et arrivé à la fin, quand j'ai coupé les ponts, c'est pour ça que j'en viendrai à cette histoire. Ouais, vas-y, ça marche. Donc, tu vois, je progresse et tout, j'ai 3 mois d'évolution, tout le monde me félicite. Super. Lui, on lui a expliqué les choses, il faut que tu manges un minimum sainement, que tu dors bien et que tu fasses, quand on lui dit pour des mouvements, des exercices, des mouvements complets, pas des reps, des quarts de reps. Alors, là, tu sais que tu me parles un peu chinois. Ça veut dire quoi? En gros, que tu dois aller au bout de tes exercices? Au squat, je pense que tout le monde connaît le squat. Généralement, évidemment, j'en fais tout le temps. T'as vu mon boule? Enfin, un moment, bien sûr. Bien sûr que le chat est en train de bien rigoler. Ouais, donc le squat, ouais. Donc, c'est soit, en gros, pour faire un mouvement complet, sur le squat, tu descends, on va dire, cul par terre. Tu frottes pas le sol, mais t'as... Ah oui là, tu vois, voilà. Là, c'est plus un squat, là. Tu fais carrément l'aspirateur, là. C'est ouf. C'est comme ça qu'on fait un squat. Ah, d'accord. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Et lui, il pliait à peine les jambes. Et on lui disait, c'est pas comme ça. Okay. Il voulait pas entendre. Il était très caractère, très, 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 très têtu. En gros, tu pouvais pas lui dire quoi faire. Pour lui, c'était comme ça, c'était pas autrement. Donc, on le laissait dans son délire. Okay. Et arrivé à un moment... Quand j'ai commencé à bien évoluer, à prendre de la masse musculaire, un soir après l'entraînement, je reçois un message. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Jalousie. Il a pété une durite. Jalousie à tout point. Ouais, maintenant, depuis que tu as reçu des compliments de les autres, tu te mets torse nu, tu te la pètes. Val, je me retrouve totalement dans ton histoire. Je te laisse terminer, mais je me retrouve totalement. Attends, c'est pas tout. Tu te la pètes au plus haut point. C'est vrai que tout le monde te fait des compliments. Tu ne sais plus où te sentir. Attends qu'on se croise à la salle, tu vas voir. Et arrivé, justement, on s'est croisé à la salle. C'est tous mes copains qui nous ont dit « Non, mais c'est toi qui as tort, Mégado. » On t'explique les choses, faut que tu manges bien. Jalousie. Et tout, tu fasses des voilà, exactement. Et il se l'est jamais avoué, mais il savait qu'au fond qu'il avait tort. Il m'a jamais touché et tout. Ouais. Et depuis ce jour-là, après j'ai changé de salle parce que le matériel ne me convenait plus. Et on s'est plus jamais croisé, quoi. Ok, c'est dommage. Et c'était presque une amitié de 10 ans, dis-toi. C'est dommage. Oui, surtout toi, c'est 10 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup et ça m'a quand même affecté. Évidemment, évidemment. En fait, le problème, c'est que dans ce genre de truc, c'est que certaines personnes, surtout toi dans ton milieu, ça n'a aucun rapport avec le mien, mais je me retrouve parce qu'il y a une certaine compétition. Les gens prennent ça toujours pour une compétition. Alors toi, tu dois être comme moi, ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de compétition à avoir de base. C'est plus de l'entraide, je veux dire. T'es venu de tout en bas, t'as demandé des conseils à quelqu'un qui s'y connaissait plus. J'ai pas envie de dire que l'élève dépasse le maître, mais en gros, mais c'est bien, c'est super. Mais dès que les gens voient que tu progresses plus vite qu'eux, mieux, ça leur plaît pas. Moi, j'ai eu le même cas cette année. J'ai côtoyé des gens, des petits streamers, des gens qui venaient à peine de se lancer en même temps que moi. Et vu que moi, j'ai pris énormément d'abonnés, je sais pas, plus de 2000, 3000 en quelques mois. Ils m'ont pourri la vie. Mais là je me retrouve totalement. Tu vois là ça m'a piqué dans mon cœur, Val, ton histoire, parce que je me suis dit mais t'as exactement vécu la même chose que moi, mais dans un milieu qui est totalement différent. Différent, c'est les mêmes histoires mais deux mondes différents, quoi. Ouais. Et même encore autant d'aujourd'hui, je sais comment me relever et faire face à cette histoire, quoi. Bien sûr. Et même toi, avec un copain de salle, on dit, tu vois, cette conversation que j'ai avec toi, je l'ai eu ce matin avec un copain de salle avec qui j'ai fait les épaules. Ouais. Et il a dit les mêmes mots que toi, quoi. Bien sûr. Tu progresses, ça ne plaira jamais aux gens. Ça ne plaira jamais. En fait, les personnes vont être là au tout début quand tu vas te lancer. Tu auras toujours énormément de soutien au départ. Exactement. Tu vas te lancer,
les gens vont être très encourageants, ils vont être très derrière toi, ils vont te souhaiter le meilleur possible et inimaginable. Exactement. En espérant secrètement, Val, que tu ne réussiras pas. C'est parce dégueulasse. Dis-toi, ça va durer certains temps et tout. Ou alors, si tu réussis... Ou alors, si tu réussis, Val, il faut que tu réussisses un peu moins qu'eux. Parce que sinon, c'est pas sinon, pareil. Sinon, ça leur plaît pas. Exactement. Voilà, exactement. Même là, une copine, en début, elle me disait pareil, la même chose. Il faut jamais que tu t'arrêtes dans ton sport. Mais là, il y a quelques temps, elle me dit, c'est pas comme ça que tu trouveras quelqu'un. Mais je dis, j'ai pas besoin de quelqu'un pour mon sport, quoi. Oui. Je vis de ce que j'ai envie de faire, quoi. En soi, si tu es content et que tu es heureux dans tes baskets, dans ta tête, dans ton corps, le reste, on s'en fout, Val. Exactement. Mais c'est triste, c'est parce que ça te marque, parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. Donc c'est énorme. Donc c'est quelqu'un que t'estimais beaucoup. Donc forcément, c'est pas évident de passer. Oui. Je suis sûr que là, t'en parles, t'as encore un petit peu touché. C'est ce qui est logique. Hein, Un peu, parce que des fois, je me dis qu'est-ce qu'il est devenu et tout. Au lycée, j'ai eu quelques petits soucis. C'était lui qui m'a aidé et tout. Il y a même, tu vois, quand j'ai eu des petits soucis, c'est lui qui les a réglés pour moi. Tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Aujourd'hui, je me dis qu'est-ce qu'il est devenu, quoi. Je comprends. Mais en soi, il faut pas fermer les portes aux gens. Peut-être qu'un jour, tu auras une discussion avec cette personne. Sache que tu n'auras plus la même relation que cette personne, je pense. Tu vas la voir différemment parce qu'il y a un truc qui s'est brisé. Ouais, mais au moins tu auras une discussion, ça va te mettre les choses à plat et tu vas évoluer, tu vas grandir, il va grandir, vous allez avoir des cercles d'amis différents, tu vas progresser lui aussi et faut pas avoir de rancune en soi pour la personne, c'est juste bah écoute, ça a dû se faire, c'était le destin et puis c'est comme ça. C'est toujours ça s'impose, exactement. C'est comme ça, c'est pas autrement, Val. Eh ben merci pour ton anecdote. Merci Val. Merci au chat et au modo. Toujours un plaisir de t'avoir ici et dans la commu. Hein. T'es incroyable. Là, tu me fais rire à noix de cajou. J'espère bien. En tout cas, merci à toi pour tous ces... Je t'en prie. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. Et si tu restes encore sur le live, je te dis à tout de suite. Bisous Val. Gros bisous à tous. Bye. Ciao. Bye. Eh ben voilà. J'ai adoré encore cette soirée. Hein. Radio Flavien, il n'y a rien de tel pour parler de beaux sujets. Et là, c'est encore le cas, hein, vous me l'avez prouvé. Ça vous a plu, cette petite soirée Radio Flavien sur le thème de la confiance? Là, on est beaucoup plus sur une soirée intimiste. Hein, là, on a parlé vraiment de sujets qui tiennent à cœur là, les personnes qui sont passées. On a parlé de confiance en vous, confiance aux autres. Confiance aux animaux, confiance à ses relations de couple, on a parlé à plein de trucs. C'est trop chouette. J'ai adoré encore une fois cette Radio Flavien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont eu le courage de passer à la radio. Comme d'habitude, vous êtes toujours au taquet, très nombreux pour ce soutien, ça fait plaisir. Ben, je suis content. Merci, c'était sympa. Hein, c'était bien, moi aussi j'ai adoré. Merci Val, t'as assuré. Bon là, les amis, on va changer totalement d'ambiance. Comme d'hab. Là on va passer sur un truc ça va être compliqué. Là on va passer sur du jeu d'horreur. Puisque là dans quelques minutes je vais couper le live et je vous retrouve dans un autre live. Je vais partir à la redécouverte du DLC d'Outlast Whistleblower. Donc là on va avoir peur, on va flipper, on va avoir les petites chocottes. Donc le temps que j'aille faire un petit pissou, que je remplisse ma bouteille d'eau, que j'aille voir mes animaux, on se dit d'ici 2-3 minutes. Bah avec plaisir, moi je suis là pour ça hein. Je suis là pour faire du divertissement. Il n'y a rien de... En général on déconne. On déconne, mais je sais quand même parler de choses sérieuses. Parce que vous êtes des humains aussi. Comme j'ai dit au début, je ne suis pas qu'une boîte à sourire. J'ai des sentiments comme vous hein, évidemment, des émotions. Et si on peut les partager ensemble dans une belle ambiance cocooning, très good vibes, très chaleur, et ben on le fait. Allez, j'arrive. Je vous dis rendez-vous dans 3 minutes. Je vais couper le live. Allez faire un petit café, une petite pause pipi. Voilà, et merci à tous ceux qui ont regardé en replay sur la chaîne secondaire. Bisous à tous ceux qui s'en vont. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à tout de suite. Bye.